Un grand merci à Abdallah Al-Hanafi. Un grand merci également à Karim qui nous vient de Belgique pour ce débat très attendu. J'ai atterri il y a quelque temps en France. J'étais dans l'avion tranquillement. Hachakoum, je voulais aller aux toilettes. Et au moment de me lever, j'ai vu la tête des gens, mais complètement catastrophée. Il suffisait juste que je dise « Allahu Akbar, c'est fini, syncope ». On est, très honnêtement, dans une atmosphère qui est réelle, qui est palpable, on le sent. Mais ceux qui amènent cette atmosphère, qui la gardent chez eux à l'extérieur, mais pas ici dans le cadre de ce débat. Je sais que certains nous manipulent. Nous sommes dans le ligotage de la pensée unique où certains communautaristes catégorisent, nous mettent en opposition et malheureusement, c'est plutôt le règne de la peur. Tant que vous êtes à l'intérieur de ce théâtre, il n'y a pas de peur. C'est à l'extérieur qu'il faut avoir peur. Donc on souhaite vraiment la bienvenue à chacun d'entre vous. Et si vous êtes venu dans un esprit, je dirais qui est celui de la solidarité, de la fraternité, du partage, vous êtes les bienvenus. Je dis ça pourquoi ? Je dis ça parce que je suis fondamentalement un radical et vous ne pourrez pas me déradicaliser. C'est aujourd'hui un mot fourre-tout. On prend des pseudo-spécialistes, mais on sait qu'il y a du fric et on sait qu'il y a de l'argent derrière tout ça. Notre radicalisation, elle se situe sur un texte. Aimez Dieu et aimez son prochain. Et ça, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Je vous remercie et je remercie encore nos orateurs pour le temps précieux que vous allez nous donner. Bien sûr. D'abord, je tenais à m'excuser. Avec tes deux poumons, il n'y a pas de micro. Je tenais à m'excuser par rapport au retard. Vous entendez au fond ? Vous entendez ? Avec tes deux poumons. Ok, d'accord. D'abord, je m'excuse pour le retard. Et puis, vous connaissez la date d'aujourd'hui, elle est assez polémique. C'est le 11 septembre, mais alhamdoulilah, c'est tombé aussi dans un jour béni pour les musulmans. Amen. Et nous, on peut profiter de cette date, qui est un jour béni aussi pour les musulmans, pour faire une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait deux compagnons, il était accompagné de deux compagnons, et il y a eu un cortège qui est venu. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est levé. Et on lui a dit, c'est un cortège de juifs, c'est un juif qui est mort. Il a dit, n'est-ce pas une âme ? Alors moi, je demande à tous mes frères musulmans pour revivifier cette sunna, qu'on montre qu'on est dans un climat vraiment de démarche pédagogique et démarche intellectuelle, de se lever. 2 secondes. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas d'épée. Il y a juste de l'amour et le poids des arguments et le choc des mots. Je vous remercie. Voilà, en tout cas, effectivement, nous allons démarrer maintenant dans 30 secondes. C'est qui démarre ? Karim. Donc une bonne fête de l'Aïd à chaque frère, en tout cas musulman qui est ici présent. Nous savons aussi que derrière ce grand sacrifice, il y a un symbole, il y a toute une spiritualité. Et donc en tout cas, bonne fête de l'Aïd, en tout cas à chacun et à chacune. Nous démarrons donc avec notre cher et tendre frère Karim El-Hennafi. Le débat débute, merci. 5 fois 15. Bonjour à tous. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Plus fort. Est-ce qu'on m'entend ? Non, ça va, ok, d'accord. Énerve-toi un peu. On va essayer de parler un peu plus fort. Donc voilà, je voulais vous remercier en tout cas d'être venu, d'avoir fait le déplacement pour venir voir encore un débat interreligieux. Il faut bien comprendre une chose, je vais être honnête avec vous, c'est que ce genre de débat-là, je commence à ne plus aimer. Pas le débat interreligieux en tant que tel, mais la forme du débat. Moi, maintenant, ce que j'aime, et qui, on voit que ça a fait la différence, en tout cas sur YouTube, c'est les débats frontales. C'est-à-dire que j'ai eu un débat avec un prêtre qui s'appelle Guy Pagès, et le fait d'avoir été l'un en face de l'autre permettait en fait de pouvoir bloquer la personne, de pouvoir voir comment il s'en sortait réellement, sans avoir du matériel supplémentaire comme des téléphones, comme avoir par exemple un ordinateur avec soi.
Je vois qu'à ce débat-là, l'avantage, c'est que Morgane et Guillaume ont fait un petit effort. Cette fois-ci, ils sont venus sans ordinateur. Donc, je pense que ça sera peut-être... Non, ordinateur, j'ai dit. Vous, non, je parle, vous aviez un ordinateur. Donc, ce sera peut-être plus intéressant, en tout cas, dans la forme. Mais bon, voilà, je préfère, en tout cas, maintenant, dans les débats à venir, d'avoir, entre guillemets, l'adversaire en face. Ça dynamise beaucoup plus la chose. Donc, le thème que nous allons traiter aujourd'hui est capital. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle le premier commandement. Et on sait que à chaque fois que, par exemple, le peuple d'Israël a rompu ce commandement, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu les a détruits. Par plusieurs façons, plusieurs manières. Mais en tout cas, la finalité, ça a été sa destruction. Donc on voit que le premier commandement, qui est d'adorer Dieu seul et unique, est la chose la plus capitale pour un croyant. Et c'est ce qui fait la différence entre un croyant et un non-croyant, principalement. Donc, par exemple, si on prend une parole de Jésus, paix sur lui, qu'il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, il a bien montré l'importance de cette chose-là. Il dit que la vie éternelle, donc il s'adressait à ses disciples, la vie éternelle, c'est-à-dire le royaume de Dieu, le paradis, c'est qu'ils te connaissent, donc mes disciples, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le Messie. Mais à qui s'adressait-il ? Il s'adressait, les chrétiens vont dire, au Père. Nous avons une autre définition. Nous disons que le Père, en prenant la parole de Jésus, en prenant la parole des autres auteurs du Nouveau Testament, en prenant la tradition juive, en prenant l'Ancien Testament, que le Père n'est autre que le seul véritable Dieu. Le grec est très clair, monos alethinos theos, ça veut dire le seul véritable Dieu. Et c'est Jésus qui l'utilise. Rappelez-vous aussi que lorsque Jésus a été questionné par les scribes et les pharisiens, ils lui ont posé une question qu'on ne poserait jamais à un maître rabbin, comme l'était Jésus, paix sur lui. On est vu le questionner dans Marc chapitre 12, à propos de savoir, mais quel est le premier commandement ? On ne pose pas cela à quelqu'un comme de son statut. C'est comme s'il y a quelqu'un qui viendrait demander à un musulman, mais c'est quoi en fait la shahada ? Ça ne se pose pas. Pourquoi ? Parce que tout le monde la connaît. La signification après c'est autre chose, mais tout le monde la connaît. Donc quand on a questionné Jésus, c'était pour voir si c'était un vrai ou un faux prophète. Quelle était sa doctrine ? Et sa doctrine a été, quelle fut sa réponse ? Il n'a juste que répété ce qu'on appelle le shema. Le shema en hébreu, c'est-à-dire la reconnaissance unique de Dieu, la déclaration ou la foi la profession de foi, on va dire, des enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a répondu « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, il se met avec, est l'unique Seigneur. » Encore une fois, on voit qu'il pointe vers le seul véritable Dieu. Et c'est comme ça un petit peu partout. Si vous prenez par exemple le cas de Marc chapitre 13, verset 32, où il est question en fait de l'heure du retour de Jésus et de l'heure du jugement. Qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Il dit que le jour et l'heure concernant cette chose-là n'est pas connu ni par les anges, ni par le Fils, c'est-à-dire lui-même, mais seul le Père la connaît. Donc là, ça pose un réel problème de l'identité de Jésus. Qui est-il réellement ? Je connais un petit peu la façon de répondre des chrétiens, mais on va justement essayer de confronter ces choses-là par rapport au texte du Nouveau Testament. Je vous rappelle aussi que 1 Timothée, chapitre 6, versets 13 à 16, répète exactement la même chose, que seul Dieu, et non pas Jésus, qui connaît l'heure et qui la révélera au moment voulu. Donc, est-ce qu'avec ces choses-là, Jésus peut être qualifié réellement de Dieu unique ? Encore une fois, Jésus pointe vers le seul véritable Dieu. Ensuite, vous avez aussi, lorsqu'une personne est venue voir Jésus, dans Marc chapitre 10, verset 17, il lui a posé une question très bête. Il lui a fait « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Quelle a été la réponse de Jésus ? C'était de dire « Je ne suis pas bon, seul Dieu seul l'est. » Là, la question, c'est toujours la même chose. Pourquoi Dieu, Jésus, renvoie au seul véritable Dieu ? Pourquoi fait-il une différenciation ? Jésus a-t-il dit qu'il était le bon ?
Non, justement, il a même réfuté cette chose-là, dans le sens que ce n'est pas lui qui donne la vie éternelle, ce n'est pas lui qui apporte des choses. Le seul véritable bon, celui qui a la bonté et qui la donne, cette vie éternelle, ça peut être à travers les messagers, hein, à travers leur message, c'est le seul véritable Dieu. Hi, ça va trop vite. Très bien, c'est pas grave, on continuera par après. Donc voilà, on va continuer juste... Bon, je vais finir là-dessus parce que je vois que le temps passe très très vite. C'est comment est-ce qu'on comprend l'écriture ? L'écriture, elle s'interprète avec des règles. Et ces règles-là, elles sont toujours très claires. C'est-à-dire qu'on interprète l'écriture par l'écriture. Un auteur par un auteur. Pourquoi ? Parce qu'il a un langage particulier, il vit à une époque particulière et on ne peut pas les mélanger avec la langue ou l'époque des autres auteurs. Certes, le tout peut former... une chose homogène, on n'a pas de problème par rapport à cela, mais le langage peut être différent. Si on prend l'évangile de Jean, ce n'est pas du tout le même langage que les trois autres évangiles. Et on sait qu'on ne passe jamais un verset ambigu devant un verset clair. Le clair explique l'ambigu, jamais l'inverse, sinon on ne comprend pas les textes. Je vais terminer là-dessus, on continuera par la suite. Abdallah, donc on va laisser la place maintenant à notre frère Abdallah, toujours un petit peu dans la même ligne. Louange à Dieu, le Seigneur de l'univers, et que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toute personne ici présente qui recherche la guider. Alors je remercie Saïd pour l'organisation, je remercie Guillaume et Morgane pour leur deuxième invitation à ce volet. Mais je vous avoue que ma réjouissance est alimentée de retrouver ce public chaleureux. Et c'est dans mes obligations religieuses, je suis obligé de vous rendre en retour l'un de mes sourires les plus radieux. Beau gosse. Voilà. Ma chose a été faite. Donc, je remercie Karim pour son intervention. Et je dirais tout simplement que le sujet est d'autant plus grave que ce qu'a dit Karim, parce que, pour nous, vous n'avez pas fait de Jésus qu'un faux prophète. Vous avez fait de lui une fausse divinité. Et nous ne pouvons accepter cette chose-là au sujet de celui que nous aimons plus que nous-mêmes. Allons dans le Coran, dans l'Ancien Testament, et on regarde comment Dieu nous parle. Dieu nous a expliqué. Comment étaient les fausses divinités ? Dieu nous a décrit leurs caractéristiques à travers les Écritures. Dieu nous a fourni des éléments permettant de faire la distinction entre les fausses divinités et le vrai Dieu. Et ceci aussi clairement que même l'œil inattentif du myope arrive à percevoir aisément les rayures du zèbre. Alors allons dans Exode chapitre 32. Lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés à adorer le veau d'or, le veau d'or qu'ils ont façonné de leurs propres mains, qui est issu des bijoux des femmes israélites, tout comme Jésus est issu de Marie, sa mère, qu'il a façonné dans son ventre. Tout comme le veau d'or a vu jour à partir d'un four, qui a permis de fondre les métaux et de le former, Jésus lui-même a vu jour par la naissance que sa mère lui a donnée, par la voie naturelle que tout le monde connaît. Mais la question qu'on devrait se poser... Quelle fut la motivation des enfants d'Israël pour avoir adoré le veau d'or ? Dans Exode chapitre 32, verset 1, on l'explique. Ils voulaient un Dieu qui marche devant les hommes. Moïse s'étant absenté, ils ont considéré que le Dieu de Moïse était trop éloigné. Alors ils voulaient un Dieu qui marche devant eux, un Dieu qu'ils puissent voir. Et ils ont fait le veau d'or. Mais rappelez-vous, Jésus aussi marchait devant les hommes. Matthieu chapitre 4, verset 18. Et nos voisins chrétiens ne cessent de nous rappeler « Oui, Allah, il est trop éloigné. Nous, notre Dieu est venu en chair. » Ok, très bien. Mais n'est-ce pas le même égarement que les enfants d'Israël à l'égard du veau d'or ? L'Éternel ne vous a-t-il pas dit, un chapitre après cet événement, dans Exode chapitre 33, verset 20, l'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Donc, Dieu fait la distinction entre les fausses divinités et le vrai Dieu. Et la Bible vous le rappelle dans le Nouveau Testament. 1 Jean chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, son amour, Dieu demeure en nous et son amour reste en nous, est parfait en nous. Mais regardez, mesdames et messieurs, la Bible vous montre que si vous êtes des vrais croyants, vous n'avez même pas ce besoin d'avoir un Dieu qui marche devant vous. Parce que Dieu, spirituellement, il est déjà en vous. C'est ça la foi. Alors si on reste dans Exode chapitre 32, je vous rappelle que les veaux existaient déjà à cette époque, tout comme à l'époque de Jésus,
les hommes existaient déjà. Mais leur égarement aurait pu être justifié tout simplement par des phrases telles que « Oui, c'est un veau, mais il n'est pas comme les autres, c'est un veau en or. » Tout comme on entend de nos voisins chrétiens, « Oui, c'est un homme, mais pas comme les autres, il est né d'une vierge et il est sans péché. » Mais Dieu montre et coupe ces allégations frauduleuses tout simplement en passant par, on part avec Osée 8.6. L'Éternel met en pièces les fausses idoles, car ce ne sont pas les vrais dieux. Donc Dieu, encore une fois, fait une distinction entre les fausses divinités et le vrai Dieu. Les fausses divinités sont détruites par le vrai Dieu. Mais je vous rappelle que Jésus s'est fait mis en pièces par ses ennemis. Il n'est pas Dieu selon Dieu lui-même. Et si on va même éclairer d'une manière encore plus lumineuse les paroles de l'Éternel lui-même, ce n'est pas les paroles d'Abdallah le barbu avec son khamis blanc. Non, c'est les paroles de l'Éternel dans Ézéchiel chapitre 28. Le chef de tir a dit qu'il était Dieu. Dans le verset 2, il a dit « Je suis un Dieu assis sur le trône de Dieu ». Et que fut la réponse de l'Éternel pour montrer que le chef de tir est une fausse divinité? Qu'il enverrait des étrangers d'autres nations pour le tuer. Et dans le verset 9, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel vous dit quoi? Diras-tu vraiment « Je suis Dieu » en face de celui qui te tue? Tu ne seras qu'un homme et non un Dieu en face de ceux qui te transperceront. C'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel, mesdames et messieurs. Il fait la distinction entre le faux et le vrai. Il le fait. Alors maintenant, la question qu'on devrait se poser, si Jésus est Dieu, bah alors pourquoi il rassemble tous les attributs que Dieu lui-même a déclarés comme des attributs de fausse divinité et il les a décrits pour nous montrer que ce ne sont pas les vrais dieux? J'aimerais une réponse de notre partie, la partie adverse. Mais pour conclure, mesdames et messieurs, je vous rappelle que la sentence est la sentence des enfants d'Israël pour avoir adoré le veau d'or, dans Exode chapitre 32, verset 27, c'est qu'on les a tués, c'est la mort. Alors c'est tout à fait normal que les enfants d'Israël n'acceptent pas la conception divine de nos amis chrétiens. Parce que ça revaudrait à faire quoi? À revenir à l'égarement qu'ils avaient eu pour le veau d'or. Ça leur a coûté leur chute et la mort. Ben, moi, je les comprends tout à fait qu'ils ne veulent pas accepter d'être chrétiens. J'en ferai autant. Mais nous, en islam, la religion de la miséricorde, vous avez de la chance, alhamdoulilah, dans la religion de la miséricorde, on ne vous demande qu'une seule chose. Et c'est dans le Coran, sourate 3, verset 64. Ô gens du livre, ô Guillaume, ô Morgane, qu'est-ce que la suite du verset? Qui connaît la suite du verset? Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns et les autres comme divinité en dehors de Dieu. Puis s'il tourne le dos, il m'a devancé, est-ce que les musulmans doivent sortir les épées? Non. Le verset a continué. Puis s'il tourne le dos, nous, soyez témoins que nous, nous sommes soumis. Je vous remercie. Un grand merci, Abdallah. Merci, Abdallah, merci, Karim, pour votre intervention. Je vais laisser maintenant la place donc, à nos chers frères et amis Guillaume et Morgane. Juste, je demanderai aux orateurs de ne pas chauffer la salle, ce serait intéressant, et éviter toute réaction. Parce que quand on en a une, on en a 10 en même temps. Donc, Abdallah Karim, merci comme Morgane ou Guillaume de ne pas interpeller la salle, s'il vous plaît. Sinon, je vous reprendrai avec une entière sévérité. Merci, la parole est à vous. Alors moi, je voulais commencer par remercier Karim et Abdallah d'être venus pour ce débat. Et remercier aussi Saïd, Morgane et tous ceux qui ont permis que le débat puisse se faire. Donc moi, je suis très content de ce sujet parce que c'est vraiment un sujet qui pose problème dans le dialogue chrétien-musulman. Que c'est toujours la même chose qui ressort en fait dans ce dialogue stérile, généralement. C'est que les musulmans nous reprochent qu'on interprète mal nos écrits à nous, nos propres écrits. Ils nous reprochent que dans notre Bible, il n'y a pas de verset qui nous montre clairement que Jésus est Dieu. Et qu'ils nous reprochent qu'on se base sur des interprétations que nous, on fait avec, je dirais, notre œil pro-trinitaire. Moi, je suis vraiment content de ce sujet, parce que je vais essayer de
Je veux dire, moi, les versets que je trouve dans la Bible qui sont clairs, les versets de la Bible qui sont clairs et qui nous prouvent que Jésus est Dieu selon nos textes, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de juger la divinité qu'on fait selon notre propre texte. Et c'est vraiment intéressant. Un peu plus fort. Ouais. Donc, je vais commencer par citer un verset de l'Ancien Testament, de Ésaïe 44, 24, qui nous dit que c'est le Dieu qui crée. Donc, tout ce qui a un rapport avec la création, c'est Dieu. Donc ça, je pense qu'avec nos amis musulmans, on est d'accord sur le fait qu'il y a un seul créateur, il y a un seul être qui crée. L'Ancien Testament est clair. On le voit aussi dans plusieurs, comme dans Ésaïe, dans le chapitre 40, verset 28, et dans le premier chapitre de la Genèse. C'est Dieu qui crée. Et quand on part dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises aussi, on voit que Dieu crée, que c'est Dieu qui est l'auteur de la création. Comme dans Hébreux 11, chapitre 11, verset 3, qui dit que c'est par la parole de Dieu que tout a été créé. Dans 2 Pierre 3, 5, c'est la même chose, c'est Dieu qui crée. Et dans Jean, chapitre 1, on parle aussi de la création. Sauf que là, dans la création, on nous dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Verset 1. Donc la parole, pour comprendre à qui a fait référence, il fallait au verset 14 pour voir que la parole se fait chair. Donc quand il est question de la parole, on parle du Messie. Et au verset 3 de ce même chapitre, en question de la parole, on dit « Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc on voit que le Messie crée, qu'il a tout fait en fait, il est parti dans la création, il a tout fait. On voit ça aussi dans Colossiens chapitre 1 verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Et au verset suivant, on voit que le Messie, il nous dit, il est avant toutes choses. Donc ça veut dire que ici quand on parle du Messie, on dit qu'il est avant tout et qu'il a créé. Donc s'il crée et qu'il est avant tout, c'est qu'il est incréé. Donc à partir de ce constat, moi, je n'ai pas envie de faire une interprétation pro-trinitaire ou quoi que ce soit, j'essaie juste de suivre ma logique, c'est que si on me dit que le Messie a tout créé et qu'il est avant toute chose, pour moi, il peut être que Dieu. C'est assez clair. Je prends un autre exemple. Si vous avez une Bible, n'hésitez pas à suivre d'ailleurs. Allez dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 40. Donc voici ce que dit Jean dans ce verset. Il cite une prophétie du livre d'Ésaïe. « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, pour qu'ils ne voient pas dans leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. » Ensuite, Jean continue, il dit « Ésaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. » Donc pour comprendre de qui parle Ésaïe, Jean ici, quand il dit « Ésaïe a dit ça quand il l'a vu, lui », il faut remonter au verset 37 pour voir de qui est le « lui ». Donc on dit, malgré tous les signes miraculeux qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Donc ici, il est question du Messie. Donc je récapitule. Jean cite une prophétie d'Ésaïe et il dit, quand Ésaïe a fait cette prophétie, il l'a vu le Messie. Il l'a bien vu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter dans là où Ésaïe fait sa prophétie. Donc elle se trouve dans Ésaïe, chapitre 6, verset 10. Je vais vous citer la prophétie. Voilà, verset 10, « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, machin, etc. » Donc c'est la prophétie que Jean a citée. Mais Jean, il a dit que quand Ésaïe a fait cette prophétie, il l'a vu le Messie, il l'a vu. Donc, on va regarder la description du Messie qu'il y a ici. « L'année de la mort du roi, au verset 1, pardon, l'année de la mort du roi Ozaïs, j'ai vu le Seigneur. » Ici, Seigneur en hébreu, c'est Adonai. Donc il a vu Adonai, Ésaïe, assis sur le trône, très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Donc il a vu Dieu avec une forme humaine, puisqu'il le décrit, avec une robe, etc. Donc on continue. « Des séphares se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2. Ils se couvraient le visage. » Donc là, c'était pas séphares, verset 3. « Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint et l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Après, verset 5. « Alors j'ai dit, » donc là, c'est Isaïe qui parle, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc voilà, Jean, il nous dit que c'est le Messie ici. Donc moi, je juge ma compréhension divine selon mon texte. Donc, où est-ce que je me suis trompé ici? Jean cite la prophétie d'Ésaïe. Il nous dit, Ésaïe dit la prophétie, il a vu le Messie. Je vais dans Ésaïe, je regarde la prophétie, je regarde avant. Ésaïe, il voit qui? Il voit Adonai, l'Éternel des armées. Donc comment est-ce qu'après, on peut dire que non, on ne comprend pas nos textes, on prend des versets ambigus, où on déforme nos interprétations. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique que je ne suis pas de mauvaise foi. Je peux me tromper. Je n'ai aucun problème à me tromper. Je n'ai même rien à foutre de me tromper.
si je me trompe, on me reprend, je suis prêt à reconnaître mes erreurs, j'ai aucun problème. Moi, ce que je cherche, c'est que j'aime Dieu, je crois en la Bible et je cherche sincèrement. Je suis pas là pour faire chier le monde, pour imposer mon point de vue ou... Je suis pas là pour faire chier le monde, en fait, voilà, c'est... Je veux juste comprendre. Donc si je me suis trompé et que j'ai mal compris mes textes, il va falloir qu'on m'explique où est-ce que j'ai fait une erreur dans mon interprétation ici. Qui n'est d'ailleurs pas une interprétation parce que j'ai juste suivi la logique. Jean cite la prophétie, il dit quand il a dit ça, il a vu lui, donc Jésus. Je regarde ici comment Jésus est décrit, Adonai, éternel des armées. Donc moi, juste ça, ça me suffit pour me conforter dans ma conception que le Messie est bien Dieu dans nos textes à nous. Je ne parle pas dans d'autres livres, machin. Moi, je juge juste selon nos textes. C'est ce qui m'intéresse parce que dans le dialogue interreligieux chrétien-musulman, on est toujours bloqué en fait et on ne peut pas avancer dans notre dialogue tant qu'on n'est pas d'accord sur les interprétations des textes chrétiens. Parce qu'à chaque fois, ça joue sur des interprétations, ceci, cela. Moi, j'aimerais bien que je peux me tromper, mais si je me trompe, j'aimerais bien qu'on m'explique où est-ce que je me suis trompé dans mon interprétation. Bah, je te laisse ouais. Un petit mot. Merci Guillaume. On laisse la place à Morgane. Merci Guillaume. Ouais, donc dans Exode au chapitre 3, verset 14, on va toujours rester biblique hein, parce que c'est bien beau de bien parler, de citer plein de versets de tête, encore faut-il les comprendre. Donc il ne faut pas vraiment pas se laisser impressionner par les pseudo-savants musulmans ou en tout cas presque adorateurs des savants musulmans comme Ahmed Didat ou Zach Karnek ou tous ces gars-là. D'ailleurs, qui vous invite. Vous musulmans, à ne pas lire la Bible, mais plutôt à lire directement les livres d'Ahmed Didat ou ces mecs-là. Moi, je vous invite vraiment à lire la Bible et même le Coran, parce que je sais très bien que la majorité des musulmans ne lisent pas le Coran, et encore moins la Sira et les Hadiths, etc. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. On va parler un peu de... Faut pas se laisser impressionner, vraiment, hein. C'est pas parce qu'il y a des belles parlottes et des belles vannes, etc. Ils sont très forts en la matière, ils en sont alors je sais pas combien tiennent débat. Donc voilà, faut pas se laisser impressionner par ça, vraiment. Dans Exode, au chapitre 3, verset 14, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. « Je suis » en hébreu, c'est « Aya ». Et beaucoup de musulmans ou d'autres, témoins de Jéhovah, etc., reprennent le mot « Aya »,« Je suis », en disant qu'il est écrit « Egoimi o'on. Seulement, egoimi o'on, c'est une traduction en grec. Pourquoi se reposer sur une traduction en grec alors que le texte à la base a été écrit en hébreu? Pourquoi? Et Jésus le dit bien en Jean chapitre 8, verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Egoimi. Alors on va me dire, dans 2 Samuel au chapitre 2, verset 20, Abner regarda derrière lui et dit, « Est-ce toi, Azaël ?» Et il répondit, « Je suis. » Et Goémi aussi. Seulement, Aya. Donc Aya, A-H-A-Y-A-H. Aya. Il dit « Je suis ». Mais là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de répondre à une question. Il n'est pas en train de se faire Dieu. Donc, Jésus, dans Jean chapitre 5, verset 58, il se présente exactement de la même façon qu'il s'est présenté à Moïse dans les flammes du buisson ardent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne possède pas de prénom. Aya, Egoimi, O'on, ce n'est pas son prénom. Dieu avait un prénom prédéfini, ça voudrait dire qu'on peut le contenir, et on ne peut pas contenir Dieu. Donc, Yodevae, YH, WH, ce ne sont que des titres. Y, ça symbolise la main de Dieu qui vient vers nous, la petite apostrophe qu'il y a dans le tétragramme. H, c'est la louange. Le YHW, c'est la préfiguration du clou, c'est-à-dire clou. Donc en fait, rien que dans le tétragramme, il y a déjà le Fils, la louange à Dieu, le clou, et encore une louange, parce que deux fois la louange à Dieu, tout lui revient. Adonai, c'est aussi un titre. C'est pas le prénom de Dieu. El Shaddai, c'est pas le prénom de Dieu. Elohim, c'est pas le prénom de Dieu. Jésus, c'est pas le prénom de Dieu. C'est le prénom de la partie humaine de Jésus, mais pas de la partie divine. Dieu est esprit. Dieu ne peut pas avoir de nom. Il est. C'est la meilleure définition qu'on puisse trouver pour Dieu. C'est il est. Je suis. Il est partout. Tout à l'heure, Karim disait que il citait un verset. Ouais, ça va.
Il disait, et un juif demandait à Jésus, « Bon maître, comment avoir la vie éternelle ?» Jésus il le reprend et dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a, de Dieu, il n'y a que Dieu, que seul, pardon, il n'y a que Dieu qui soit bon. Il n'y a que Dieu qui soit bon, merci. Mais est-ce qu'on peut dire foncièrement que Jésus est mauvais ? Il est le seul sans péché. Et même dans l'islam, il est le seul sans péché. C'est pas Mohamed, c'est pas aucun prophète. Donc, à ce moment-là, Jésus se fait Dieu, parce qu'il lui donnait un titre d'un enseignant de la synagogue, rabbi, bon maître, bon rabbi, en hébreu, en grec, pardon. Donc non, à ce moment-là, au contraire, il se fait complètement Dieu. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Ben oui, il est bon, Jésus est bon. Qui peut dire ici que Jésus n'est pas bon ? Ok. Aussi, j'ai l'impression qu'on nous prend vraiment pour des tarés. Vraiment, nous, les chrétiens, on a l'impression qu'on nous prend pour des crétins, souvent par les musulmans. Mais on n'est pas des gogoles. Hein. Quand vous croyez qu'on ne s'est pas posé la question, mais alors, si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il prie le Père ? On n'est pas fous. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 24, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Vous croyez vraiment qu'on ne s'est pas posé la question ? Vous croyez vraiment qu'on est con à ce point-là ? La réponse ? Pas d'intervention. C'est comme... Ouais, pas d'intervention, s'il te plaît. C'est pas la première fois en plus, toi. J'y viens avec la réponse. Mais il y a aussi, par exemple, il y a plein de versets comme ça où Jésus prie le Père. Matthieu, chapitre 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il prie Dieu ? Ça n'a pas de sens. Et vous croyez vraiment qu'on est débile ? Ben, je vais vous sortir un mot, peut-être que beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'est ce qu'on appelle la kénose. K-E-N-O-S-E, du grec kénou. K-E-N-2-O. Ça signifie se dépouiller. Cherchez sur Wikipédia, vous trouverez très bien la définition. Se dépouiller. Et Philippiens, chapitre 2, versets 6 et 7, nous le dit bien. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé. La kénose, kénou. Lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. C'est très clair. On voit bien que Jésus est 100% Dieu. 100% homme, il s'est dépouillé volontairement, mais 100% Dieu aussi. Il reste du temps ? Ouais, d'accord. 2 minutes. Ok. Donc, c'est ça. En fait, quand Jésus prie le Père, mais c'est parce qu'il dépend d'une condition charnelle. C'est tout simplement ça. Quand il est sur la croix, il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est parce qu'à ce moment précis, par exemple, il détient tous les péchés du monde sur lui. Il s'est fait pécher. Et c'est pour ça qu'il prie le Père. Le Père se détourne du péché. Et là, à ce moment-là, Jésus était seul. Jésus, effectivement, Jésus est né dans une crèche, symbole d'humilité totale, et dans un endroit extrêmement hostile, hein, puisqu'il y avait le roi Hérode qui voulait le tuer. Jésus pleurait, Jésus mangeait, il buvait, il avait peur avant sa crucifixion, etc. Bah oui, parce qu'il dépendait d'une condition charnelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourtant, dans Exode, on nous dit bien que personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors c'est pour ça qu'il prend une condition charnelle. C'est justement pour qu'on puisse le voir et vivre. Et on voit bien dans Genèse au chapitre 18, verset 1, l'Éternel lui apparut dans les chaînes de Mamré. Et dans Nombre, au chapitre 12, verset 8, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel en rapport à Moïse. Abraham et Moïse ont vu Dieu fait homme. Sinon, c'est très clair. Alors, il ne me reste pas assez de temps pour en venir à expliquer la Trinité en tant que telle. Donc, je vais laisser la parole à la partie adverse. Un grand merci, Morgane. C'est vraiment la première fois que je participe à un débat où il y a vraiment cette teneur. Je dirais où il y a des arguments, contre-arguments qui sont valables, qui sont intéressants. Ce n'est pas souvent qu'on a, je dirais, des interventions aussi bien de Karim Abdallah, de Morgane et de Guillaume, de ce niveau-là. Et un grand merci en tout cas pour cet échange. Donc Karim ou Abdallah, la parole est à vous.
Ok, donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit. Donc on nous a reproché en fait de suivre des prédicateurs connus comme Ahmed Hidat, comme Zakir Naik, etc. La problématique, c'est que c'est un défi que je vais lancer à Morgane, c'est qu'il trouve une seule de mes interventions dans tous les débats que j'ai pu faire, où il y a les arguments justement de Ahmed Hidat ou de Zakir Naik. Ceci n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'on est en 2016. Ahmed Hidat, Zakir Naik, ils ont fait un travail, mais on est en 2016. On n'est plus dans les années 80-90. Le niveau a un petit peu augmenté, progressé. Pourquoi ? Parce qu'il faut se mettre à jour. Ceci est tout à fait normal. Donc, il y a une question qui a été posée. Je vais répondre clairement pour que les gens ressortent de ce débat avec la vérité. Il ne faut pas mentir, il faut être honnête. Oui, la Bible dit bien que Jésus est Dieu, sans ambiguïté. Maintenant, la vraie question, ce n'est pas ça. La vraie question, c'est quelle Bible dit que Jésus est Dieu ? Parce qu'en fait, il y a des variantes textuelles qui existent à propos de la divinité de Jésus et qui changent complètement la donne. Je vous donne quelques exemples. On va prendre par exemple 1 Timothée chapitre 3 verset 16, où il est dit que le mystère de la piété est grand, Dieu est apparu dans la chair. Donc là, on a un texte clair que c'est, voilà, Dieu est apparu, il s'est manifesté dans la chair en tant qu'homme. Problème, c'est que si on prend la plupart des Bibles actuelles, le terme Dieu a été changé par « il » ou « celui-ci ». Pourquoi ? Parce que le terme « Dieu » est une variante textuelle qui existe. Mais à côté de ça, les plus anciens témoins témoignent que ce n'est pas ce mot-là qui est utilisé. Ce n'est pas le terme « Theos », c'est le terme « Hos », qui n'ont rien à voir. On va prendre un autre exemple. Donc voilà, on peut avoir Jésus qui est Dieu dans une Bible. On n'a aucun problème. Par contre, quelle Bible ? C'est surtout ça, la question. On va prendre par exemple Jean chapitre 1, verset 18, où il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Donc déjà, Jésus, enfin, l'auteur du prologue de Jean est clair. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu fils unique, ou le fils unique, etc., parce que ce sont des variantes textuelles, l'ont fait connaître. Donc on a une Bible qui va dire que le Dieu fils unique l'a fait connaître. Donc là, c'est clair que Jésus est Dieu. Mais on a la majorité des Bibles actuelles qui se servent de témoins beaucoup plus anciens pour le texte, qui nous dit que c'est le fils unique. Tout court. Là, Jésus n'est plus Dieu. Pourquoi ? Parce que le Fils unique, dans l'évangile de Jean, renvoie à la question de la messianité. C'est ce que nous dit Jean dans son avant-dernier chapitre. Il dit que ceci a été écrit, donc son évangile, les miracles que Jésus a fait et qu'ils ont rapportés, a été écrit afin que vous sachiez, vous, lecteurs, que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie. On fait un rapprochement entre ceci et ce qu'a dit quoi ? Ce qu'a dit le grand prêtre, un juif, qui ne reconnaissait absolument pas Jésus, enfin, il n'y avait même pas la conception d'une trinité, ça n'existait pas à l'époque, hein, pour les enfants d'Israël, et lui a dit, quand il a jugé Jésus, « Es-tu le Messie ? Es-tu le fils du béni ? Ou du Dieu béni, selon les variantes ?» On voit que le terme « Messie » renvoie à quoi ? Renvoie à « fils de Dieu ». Ça, c'est juste un langage normal parmi les enfants d'Israël. Vous prenez par exemple les Toledo de Yeshu. En fait, c'est un texte qui a existé un tout petit peu avant l'islam, qui sont en fait une propagande un petit peu juive sur la personne de Jésus et de sa mère. Où ils ont dit beaucoup de saloperies ou de bêtises, entre guillemets, dessus. D'accord ? Ils ont accusé sa mère d'avoir commis l'adultère, et ils ont dit que, voilà, bon, ils se sont débarrassés de Jésus, etc. On ne va pas entrer dans le débat. Donc, mais qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, dans ce livre-là, qui est un tout petit peu avant l'islam, donc là, c'est un livre vraiment écrit par des juifs, que il, Jésus, s'est déclaré le Messie, le Fils de Dieu. On voit que chez les Juifs, le Fils de Dieu est en relation avec la messianité. Ensuite, on va continuer ce qui a été dit par rapport aux arguments qui ont été avancés. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, il faut quand même rappeler une chose. C'est que dans cette salle, il faut être honnête. Il y a ce qu'on appelle le Saint-Esprit et il y a ce qu'on appelle le Mal-Saint-Esprit. Pourquoi ? C'est très simple, parce que pour les uns, si on dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est un blasphème. Pour les autres, si on dit que Jésus est Dieu, c'est un blasphème. Donc on va voir ensemble lequel des deux esprits a la pile Duracell nécessaire pour durer assez longtemps.
On va reprendre ensuite ce qui a été dit par Morgane. Donc tu nous as dit, cité Exode chapitre 3, verset 14. C'est un texte de l'Ancien Testament et de la Torah pour ceux qui ne le savent pas. Donc en fait, il nous a dit que le nom, enfin, que le nom de Dieu, c'était Aya. Alors c'est pas Aya, d'accord, on ne parle pas de la bœuf ici. C'est Eria en hébreu. D'accord ? C'est Eria, Asher, Eria. Donc, ce terme-là veut dire « je suis celui qui est » ou « l'étant », etc. Il y a plusieurs traductions possibles. Tu nous as reproché, parce qu'en fait, ces reproches-là viennent d'une vidéo qui a tourné sur Internet, qui a été faite sur moi, en fait. Un petit guignol du net. En fait, c'est amusé à faire une petite vidéo de 10 minutes de choses que j'ai apprises dans ma première année. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas reprendre des arguments qui ont été avancés par des pseudo-intellectuels du net pour pouvoir venir en débat et les avancer. Parce que ça va être très facile d'y répondre. Pourquoi ? Parce que oui, le terme, c'est Eria Asher Eria, qui a été traduit dans l'Ancien Testament, qui est la traduction, enfin la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, où il est marqué Egoemi Ho'an. Et il nous a fait le reproche d'utiliser le grec à la place de l'hébreu. Mais j'aimerais te poser en fait une question rhétorique qui est la même que ce que tu viens de dire. N'utilises-tu pas le grec quand tu lis l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 58 ? Tu utilises une traduction. Tu utilises le terme égoïmie. Jésus n'a pas dit Eria. Et tu vois ce que je veux dire ? Ça n'a pas de sens. Tu viens de refaire un reproche qui te revient tout seul. Ensuite, vous avez dit quoi ? Vous avez dit que Isaïe a vu le Messie, et donc comme il a vu le Seigneur, il a vu Dieu, etc. Il n'y a pas de problème. Sauf que, est-ce que Isaïe avait la conception trinitaire que vous avez ? Non. Est-ce que Isaïe pouvait dire qu'il a vu Dieu, même sous la forme humaine ? Blasphème total chez les enfants d'Israël. Ça n'existe pas. Vous vous êtes inventé une vie sur les textes de l'Ancien Testament en faisant parler qui ? Les enfants d'Israël à votre place et les prophètes des enfants d'Israël. Ceci n'existe pas. Et oui, Isaïe a pu voir Jésus dans une prophétie. Voilà, c'est une prophétie messianique. Il n'y a aucun problème. Tout comme Abraham a vu le Messie, c'est une prophétie messianique ultérieure. On n'a pas de problème. Et Isaïe chapitre 6, qu'ils ont cité, n'a rien à voir avec ce chapitre 12 de Jean. Merci Karim, on te laisse terminer. Un grand merci. Là, j'ai fini. Voilà. Avant de commencer ma réfutation, j'aimerais, parce que l'intervention Bud Spencer de notre ami Morgane m'a un peu inspiré. Alors, je lui ai fait quelques vers en toute camaraderie. Morgane, cesse donc ta vulgarité auquel tu es épris, qui n'aurait d'égal que ton étroitesse d'esprit. Car si noir est la couleur sur ton vernis, mais je te rassure, ceci ne provoque aucun mépris, noir ne doit pas être tes propos fournis, toi qui prétends être assisté par le Saint-Esprit. Je t'en prie. Donc, je vais commencer. Moi, je ne savais pas qui Islam Zama. Je veux commencer. Wow. Tu vas me laisser un peu. Là, on a un poète. Tu vas me laisser une minute. Hein. Bon. C'est une droite, toi. Hein. Continue. Donc, tu nous as parlé de au commencement, la parole s'est fait chair. Ok, très bien. Mais dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus dit que la parole donne vie. Jésus meurt. Est-ce que la parole qui donne vie meurt-elle elle-même ? Répondez-moi à ça. Ensuite, dans Jean chapitre 14, verset 24, Jésus dit quoi ? Jésus dit, « Quiconque ne conserve pas ma parole ne m'aime pas. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Donc, en quelque sorte, la parole que Jésus a, c'est la parole du Père qui est en lui. Mais ce n'est pas le seul. Ésaïe, c'est la même chose. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 21, Jérémie, c'est la même chose. Dans Jérémie chapitre 27, verset 18. On va vous enseigner un petit peu, c'est pas grave, c'est vite fait. Maintenant, lorsque vous nous avez parlé de Colossiens chapitre 1, verset 16, bon déjà, je vais revenir sur ce que Paul lui-même dit, personne ne peut ramener un fondement autre que celui qui a déjà été posé, à savoir celui de Jésus. Qu'on soit clair. Ok ? Dans Colossiens chapitre 1, verset 15, déjà Paul dit que Jésus est le premier-né de la création. Donc Jésus lui-même est une créature. Donc celui qui est créé, comment peut-il être déjà le créateur ? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, Paul lui-même. Alors, on ne va pas aller loin. Vous parlez de versets qui sont allégoriques de Paul. On va aller dans des versets qui sont plus que clairs de Paul. 1 Colossiens chapitre 15, verset 5. Paul dit quoi ? Que
que le Fils doit être soumis auprès de celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tout. Et ça, c'est le jour du jugement dernier. Ça veut dire que le jour du jugement dernier, pour que Dieu soit tout en tout, il faut que Jésus soit soumis. C'est quel Dieu, ça? Ensuite, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, Paul lui-même dit, je veux que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. Ça, c'est vrai. Le Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef du Christ. Fin du débat. Maintenant, Guillaume, tu nous as parlé de Adoni. Mais sache que Adoni, des créatures dans l'Ancien Testament ont été aussi appelées Adoni. Ce n'est pas personnellement pour l'Éternel. Le seul qui est pour l'Éternel, c'est Yahweh. Et maintenant, moi, je te dis que si tu vas dans le passage de Matthieu, chapitre 22, tu vas voir que Jésus, quand il dit « Le Seigneur a dit au Seigneur », au fait, il dit « Yahweh a dit à Adoni ». Il a fait bien attention de s'attribuer Adoni et pas Yahweh l'Éternel. Fin du débat, Jésus n'est pas Dieu. On continue. Ésaïe, quand tu nous as parlé de Ésaïe 6, 3, « Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées », tu nous dis que c'est la Trinité. Bon, je vais revenir à ce qu'a dit mon frère. Les Juifs savent mieux leur texte que vous. Ils n'expliquent pas ça comme ça. Saint, c'est saint, 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 kedosh, 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 c'est pour trois dimensions. Saint pour la dimension terrestre, ce qu'on appelle en hébreu bara. Saint pour la dimension céleste, spirituelle, ce qu'on appelle en hébreu ara. Saint pour la dimension temporelle, éternelle, que Dieu il est éternel, ce qu'on appelle halalem. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec la Trinité. Et d'ailleurs, je veux profiter de ça pour vous dire que Dieu vous blâme, blâme, blâme. Et ça, c'est un blâme trinitaire en votre personne. Regardez, dans Ézéchiel chapitre 9, versets 1 à 9. Qu'est-ce que dit Dieu? Dieu dit qu'il a châtié son peuple parce qu'ils ont enlevé un attribut de Dieu. Ils ont péché, ils ont cru que Dieu ne voyait pas leur péché. Alors Dieu a exterminé hommes, femmes, enfants, vieillards pour seulement enlever un attribut de Dieu. Nos deux amis, en disant que Jésus est Dieu, ont enlevé la quasi-totalité des attributs de Dieu. Mais les fils de l'islam sont venus ici parce qu'on a peur pour vous, on se fait du souci. On ne sait pas ce qui va vous arriver. Maintenant, je vous ai dit que Dieu vous a blâmé trois fois. Dieu vous a blâmé une fois parce que comme dans Ézéchiel chapitre 9, vous pensez donc que Jésus ne voit, que Dieu ne voit pas tout. Je vous dis que Jésus ne voit pas tout. Dans Marc chapitre 5, verset 3, une femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans, elle est partie toucher le vêtement de Jésus pour guérir. Et Jésus lui a dit quoi? Jésus s'est retourné et a dit qui m'a touché. Dieu vous blâme une fois. Dieu vous blâme une deuxième fois lorsqu'on va dans Ésaïe chapitre 37, verset 36. Dieu a châtié les Assyriens, il a tué 185 000 hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'on peut tuer l'Éternel. Selon votre conception, Jésus est Dieu, Jésus s'est fait tuer. Donc Dieu vous blâme deux fois. Dieu vous blâme encore une troisième fois. Dans Psaume chapitre 73, verset 11, il blâme ceux qui pensent que Dieu ne sait pas tout. Comme l'a dit mon frère dans Marc chapitre 13, verset 32, Jésus ne connaît pas l'heure du jugement. Donc il ne sait pas tout, à moins que vous dites que voilà, il a créé l'heure du jugement, il a oublié. Donc Dieu oublie. Bon alors Dieu, il vous blâme trois fois. Bon, je vous rajoute une quatrième, parce que dans Psaume chapitre 11, verset 10, Dieu blâme ceux qui pensent qu'il oublie. Mais je vous donne un autre verset cadeau. Dans Jean chapitre 11, dans la résurrection de Lazare, Marthe, la sœur de Lazare, elle-même ne croyait pas que Jésus était Dieu. Elle a dit, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu t'exaucera. Et Jésus a confirmé les dires de Marthe. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Parce qu'il faut que je vous rappelle, il faut qu'on lise bien la Bible. Vous avez du mal à digérer la parole de Dieu. Vous êtes victime d'une intoxication spirituelle. On est là pour vous rendre ça plus digeste. Donc Jean chapitre 11, qu'est-ce qu'il a dit Jésus avant de ressusciter le corps de Lazare? Où avez-vous mis le corps? Mais nos deux amis qui nous ont parlé de l'Ancien Testament ont-ils oublié dans Jérémie chapitre 23, verset 23, qu'est-ce que dit l'Éternel? Encore une fois, pour se distinguer des fausses divinités, ne suis-je qu'un Dieu que de près? Ne suis-je pas un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendrait-il quelque part sans que je le sache? Regardez comment l'Éternel vient dévoiler leur égarement manifeste. Que Dieu vous guide. Amin. Ils en ont besoin. C'est là, ils. Hein. Donc, avant qu'Abraham, je suis. Moi, je veux couper court. Hein. Dans Jean chapitre 10, verset 8, Jésus dit qu'il y a des personnes qui sont venues avant eux. Ma question, est-ce qu'on vient avant Dieu? Merci, Abdallah.
remercie. J'ai beaucoup apprécié le slam. J'espère qu'il n'y aura pas un chanteur. J'ai beaucoup aimé votre esprit, vos taquineries. C'est bon enfant. Ça reste courtois. Restons dans une courtoisie. Un grand merci en tout cas à Morgane et Guillaume. Donc nous sommes dans la avant-dernière session. Merci. Ah, déjà, je félicite Abdullah pour son niveau de blague. Hein. On a trouvé le mousse diouf musulman. Mais en même temps, c'est pas mal parce que là, je vois que Francis Lalanne et Yves Dutheil ont du souci à se faire hein, avec les verres. Là, on voit vraiment qu'on est dans le fond des chiottes hein, avec les vannes pareilles. En plus, s'attaquer à mon physique, alors là, c'est vraiment le fond du fond du fond des chiottes. C'est pas plus ridicule que ça. Mais c'est bien. Ça représente bien finalement ce qu'il représente. Désolé. Oui, je sais, je suis le bête Spencer. Ok. Donc, il est bien question dans l'Ancien Testament du mot Aya, excusez-moi, grand maître, de ne pas avoir une super traduction comme vous. Hein, je vous pardonne, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, donc Aya, hein, H-A-Y-A-H, ça veut dire la même chose. On est là, une super prononciation, comme notre grand maître Karim ou pas, on parle de la même chose, ok? Donc ça, c'est vraiment faire chier pour rien du tout, c'est des spécialistes dans la matière. Ego-ini, je suis Aya, je laisse la présentation au grand maître. Je suis. On n'a pas eu vraiment de réponse. Ego-ni o-on, c'est une traduction. L'Ancien Testament, c'est de l'époque. Le Nouveau Testament, c'est du grec. Donc forcément, quand je vais aux sources, et on m'a demandé quelle Bible j'utilisais, et j'utilise directement les sources, le grec, l'hébreu. C'est vers ça que je me penche, parce que effectivement. Ben, il peut y avoir des traductions, des mots qui changent d'une version à une autre. Donc, je vais direct aux sources. Ok, donc on va enchaîner, hein, parce que bien avancé. Ah oui, saint. Karim nous dit que, Abdullah nous dit que les juifs ne considèrent pas la chose comme nous. Il n'y a rien à voir avec la trinité. Ben, forcément, pour les juifs, ce ne sont pas des chrétiens. Mais si on parlait de tous les juifs qui se sont convertis à Christ, ils ont très bien compris que saint, et le Seigneur Dieu, ça appartient bien à la Trinité, c'est une préfiguration de la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit, que nous voyons en Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites des disciples dans toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom, c'est pas au pluriel, au nom. Il n'y a pas de X et il n'y a pas de S. C'est au singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va donc voir ce que... Le problème, c'est que les musulmans, et les gens du monde en général, fonctionnent de façon vraiment charnelle. Alors je vais tenter d'utiliser des mots charnels pour faire comprendre un petit peu ce que c'est la Trinité. Des fois qu'on soit donc polythéiste, hein, selon certains. Non, Jésus a bien prêché un seul Dieu, au nom singulier, je le rappelle, un seul Dieu. Il n'a jamais prêché un autre Dieu, il a juste amené ses informations complémentaires. Parce que les juifs ne savaient pas tout. C'est pas parce que les juifs n'avaient pas certaines informations que ça ne pouvait pas être vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont cherché à le lapider, ils ont fini par le tuer. Donc le Père, de quoi on parle quand on parle du Père? C'est un symbole, c'est purement symbolique, spirituel, métaphorique, ça symbolise l'intellect, la source de toute chose. Et on le voit directement dans Genèse chapitre 1, verset 1. Et Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, donc le Père, la source de toutes choses. Et au verset 2, nous avons « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » L'Esprit de Dieu. Dieu le Père, l'Esprit de Dieu. Directement au deuxième verset. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit et il parle. Et de 3, Dieu le Père, l'Esprit, la parole. Directement. Dès le début de la Genèse, on a la Trinité. L'Esprit, c'est la pensée émanante de l'intellect, donc du Père. Comme nous-mêmes, nous avons un intellect et un esprit. Et la parole provient donc de l'intellect et de l'esprit, tout ça ont suscité la parole, comme nous. Lorsque notre parole ne parle pas avant notre intellect, on est obligé de réfléchir, cette pensée-là amène une parole.
C'est pour ça que Dieu dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » C'est ce qu'on appelle une hypostase. Une hypostase, c'est le principe. C'est les principes premiers, en fait, qui composent la personne de Dieu. Hypostase. Je te laisse la parole. Ok, moi, je vais revenir sur quelques points qu'ont évoqué Karim et son collègue. C'est que, Karim, tu as parlé tout à l'heure des variantes, en fait, textuelles pour dire qu'il y a plusieurs Bibles. Je suis d'accord avec toi, des variantes, on en a. Et on le sait, on a des livres pour ça. Moi, par exemple, là, j'ai un livre où à chaque fois, j'ai des notes avec des variantes. Donc, les variantes, on connaît. Moi, personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Les chrétiens, en général, ils savent qu'il y a des variantes, mais les variantes ne changent pas le contenu du message, en fait. C'est-à-dire que même, vous pouvez prendre sur le texte minoritaire, texte majoritaire, le message est toujours le même. Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est fait crucifier. Abdallah, tout à l'heure, tu avais dit que tu nous citais un Colossiens 1,15, pour dire que Jésus est le premier-né, donc tu dis que Dieu est créé. En fait, ce genre de phrase, premier-né, c'est comme des titres, c'est pour montrer la supériorité, en fait. C'est comme dans Apocalypse 1,8, si je ne me trompe pas, où Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Alpha et l'oméga, qu'est-ce que c'est? C'est les lettres de l'alphabet grec. Donc, est-ce que c'est l'alphabet grec, c'est un début, une fin? Donc, quand Dieu dit ça, est-ce que ça veut dire qu'il est créé? Non, c'est juste pour montrer sa supériorité par rapport aux autres. Et c'est pareil que quand on dit le premier-né, c'est un terme pour montrer la supériorité. Parce que de toute façon, pour comprendre le terme premier-né, il faut lire juste la suite pour voir qu'il nous dit que Jésus est avant tout et qu'il a tout créé. Donc s'il est avant tout, il a tout créé, pour moi c'est très clair. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois que c'est Karim, tu as dit que la Bible nous dit « Personne n'a vu Dieu ». Donc pour toi c'était clair. En fait, pour comprendre aussi ce genre de verset, il faut prendre la Bible dans son entièreté. Et il y a des versets en fait pour les comprendre, il faut en lire d'autres. Je pense que ça va être pareil avec le Coran. On ne peut pas se baser sur. On comprend le Coran que si on se base sur certains versets, exact. Et en mettant les autres de côté. Exact. Donc là, c'est pareil, c'est pour comprendre quand Jésus dit personne n'a vu Dieu, il va encore plus loin dans son explication. C'est dans Jean 6, 46. Il dit c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Donc là, il parle de lui, mais il dit personne n'a vu le Père. Donc le Père, c'est ce que nous, on attribue vraiment, c'est Dieu à l'état pur, Dieu à la base, avant qu'il prenne une apparence humaine, ou qu'il est vraiment à Dieu son état pur. Et pourtant, il dit personne n'a vu le Père. Mais Abraham a vu Dieu dans Genèse 18. Il était en face de lui. On dit qu'après, il y avait trois hommes. Il y en avait un, c'était Dieu. Les deux autres, c'était des anges qui avaient pris une forme humaine. Et après, il y en a deux qui sont éloignés dans le chapitre 18. Et on voit, ça dit qu'Abraham restait en présence de l'Éternel. Donc, il était vraiment à côté de l'Éternel qui avait une forme humaine. Et il l'a vu. Mais c'est parce que ce n'était pas le Père. C'est ce qu'on appelle le Fils, nous, dans notre compréhension théologique. C'est pareil, Moïse. Moïse, il dit qu'il voit une représentation de Dieu. Pourtant, il le dit aussi. Dans la Torah, Moïse dit qu'on ne peut pas voir Dieu, sinon on meurt. On ne peut pas voir le Père à l'état pur, sinon on meurt, parce que on ne peut même pas imaginer à quoi ressemble Dieu à la base. Ce n'est pas nous, avec notre cerveau d'humain, on ne peut même pas essayer d'imaginer comment il est Dieu à la base. Mais pourtant, il voit une représentation, et cette représentation, c'est ce qu'on appelle le Fils, c'est Dieu qui prend une apparence humaine. D'ailleurs, la Bible nous dit lui-même que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Donc quand Moïse voit une représentation de Dieu, il voit, c'est ce qu'on appelle le Fils, c'est vraiment Dieu qui prend une forme pour qu'on puisse le voir. Pourquoi? Pour ce qui est de l'heure, Morgan a déjà répondu, c'est ce que nous, dans notre conception théologique, on appelle la kénose. C'est-à-dire que Dieu, qui vient avec une forme humaine, il met des attributs divins de côté. Après, j'ai aucun problème avec ça, il y en a plein d'autres, même avec le figuier. Je ne dis pas de bêtises, Jésus, il s'approche du figuier pour voir s'il y a des fruits dessus. On pourrait dire, oui, mais si c'est Dieu, pourquoi il vient de s'approcher? Mais c'est toujours dans ce qu'on appelle, nous, la kénose. Il prend une forme humaine en mettant des attributs divins de côté. Et nous, on n'a aucun problème avec ça. Moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème. Et tous les chrétiens que je connais, c'est pareil. Pour Esaïe, pour moi, c'est clair. Dans Esaïe, c'est bien Dieu. Quand Esaïe voit, il dit que c'est bien Dieu. Parce qu'au verset 5, il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple où les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. » Et Jean nous dit que l'éternel, le roi, le maître de l'univers, c'est le Messie. Pour moi, ça confirme, c'est pareil, là, il voit Dieu. Mais comment il fait pour voir Dieu? C'est qu'il voit Dieu qu'une forme humaine. Et c'est toujours pareil, c'est qu'il ne peut pas voir le Père directement, mais il voit Dieu qu'une forme humaine, c'est ce qu'on appelle le Fils. Et après, oui, Karim, tu as raison quand tu dis que le Fils, on l'implique aussi au Messie. Oui, je suis d'accord avec toi, quand on parle du Fils de Dieu, on parle aussi en tant que Messie, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Je ne sais plus. Oui, après, on parlait de... Quand Jésus il meurt, on dit que ça ne peut pas être Dieu parce qu'il meurt. Mais nous, sur la croix, on ne dit pas que c'est la partie divine de Jésus qui meurt. C'est ce corps de chair qu'il a pris pour venir sur terre, c'est ça qui meurt. Mais ce n'est pas du tout la partie divine. Donc on ne dit pas que Dieu est mort, machin. Non, c'est que c'est cette chair qu'il a créée, qui a crié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?»« Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
C'est ça, c'est cette chair en fait qui meurt, mais c'est pas le côté divin. Plus après, pour oui, les juifs, beaucoup ne reconnaissent pas notre conception trinitaire, mais il y a des juifs messianiques aujourd'hui. Vous allez en Israël, des juifs messianiques, ça existe. Pourtant, ils sont bien juifs, il y en a qui sont convertis, qui sont nés dans des familles juives, on a des rabbins ultra-orthodoxes qui se sont convertis. Donc non, c'est pas quelque chose que... C'est pas 100% des juifs, ils disent non, c'est faux. Il y a bien des juifs qui se convertissent, même à l'époque, au début, beaucoup se sont convertis, ils étaient juifs. Ils n'avaient pas de problème avec ça, même s'il y en a qui ont des problèmes. On ne peut pas se baser sur ça pour dire que notre compréhension est fausse, sachant que même chez eux, il y en a qui le comprennent comme nous, même si la plupart ne sont pas de cet avis. Qu'est-ce que, oui, après, là, tu avais parlé du roi de Tyr. Oui, le roi de Tyr, il dit « Diras-tu, je suis Dieu devant ton ennemi ?» Mais ça s'applique juste pour Tyr, qui s'est vraiment pris pour Dieu. Il a dit « Je suis Dieu », il avait un ego démesuré. Dieu a envoyé une troupe le tuer. Il a dit « quand tu vas te faire tuer par ces gens-là, est-ce que devant ces gens-là, tu vas dire, tu vas faire le fou, en gros, à dire « Moi, je suis Dieu ?» Ben non, il s'est fait calmer direct et voilà, c'était fini. Mais ça, on ne peut pas l'appliquer à Jésus, parce que ça concerne vraiment le contexte. On prend du premier verset, je crois, c'est jusqu'au verset 9. Pour moi, c'est très clair, on ne peut pas l'appliquer à lui dans le contexte. Et, c'est le roi de Tyr, il a voulu faire son malin, ben, il a assumé derrière. Qu'est-ce qu'on a encore ? Oui, après, Paul aussi, il parle de Jésus comme d'un homme. Ça, on n'a aucun problème avec ça. Il parle de lui comme d'un homme des fois, et des fois, il dit « Notre Dieu est sauveur, Jésus-Christ ». C'est un passage. Donc, il parle aussi de lui comme Dieu. On a toujours cette double compréhension, ou comme on dit quand tu dis « L'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ », c'est toujours dans cette compréhension de la kénose que nous, on a, comme interprétation de nos propres textes. Mais on n'a aucun problème avec ça. Sauf les témoins de Jéhovah qui, eux, s'appuient uniquement sur ce genre de versets. Après, c'est un peu tout. Je ne me souviens plus vraiment ce qu'il y a eu comme allégation de leur côté. Si tu as quelque chose à rajouter. Quand il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça a été, ils sont intrinsèquement liés. On ne peut pas les séparer du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que Jésus dit « Moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Moi et le Père, nous ne faisons qu'un. » Est-ce que vous connaissez beaucoup de prophètes qui ont dit ça? Et franchement, est-ce que vous croyez vraiment que l'humanité peut être sauvée par un homme, même s'il a des pouvoirs? Non, c'est Dieu qui sauve, seul Dieu qui sauve. Jamais un homme. Donc les trois, comme on dit, personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est les trois personnes au sens caractéristique du terme. Ils sont intrinsèquement liés. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit représentent Dieu. L'hypostase dont j'ai parlé tout à l'heure. Genèse, au chapitre 11, verset 7. « Allons, descendons et confondons. » Pourquoi trois fois? Il aurait pu dire directement l'Éternel confond. Et puis voilà. Non, en trois temps. Pourquoi? Personne n'est capable de répondre réellement à ça. Ou alors en tordant... Ésaïe au chapitre 6, verset 8. « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera devant nous ?» Pourquoi nous? Pas devant toi, normalement, il aurait dû dire, mais nous. C'est pas du tout une façon poétique de parler c'est très clair. Genèse chapitre 3, verset 22, l'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Comme l'un de nous. Ésaïe, chapitre 6, verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Mais pourquoi trois fois saint? Pourquoi pas deux fois? Pourquoi pas une fois? Pourquoi pas quatre fois? Pourquoi pas 50 fois? C'est vrai que 50 fois, ça serait un peu chiant. Mais oui, trois fois, c'est bizarre quand même, trois fois. Jérémie, chapitre 22, verset 29, ils aiment bien l'utiliser, celle-là. « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Terre, terre, terre. » Pourquoi trois fois terre? Pourquoi pas une fois terre? Ça suffit pas, non? Trois fois terre. D'accord. Mais c'est toujours la même chose, c'est une préfiguration, c'est des éléments d'information qu'on peut avoir sur la Trinité. Écoute la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel, c'est qui? C'est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu, je le répète. C'est très clair. Donc, écoute la parole de l'Éternel. Terre, 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 c'est une préfiguration non seulement de la Trinité, mais du fait que Dieu se fasse homme en Jésus-Christ, pour venir racheter nos péchés et nous sauver. Voilà, donc je crois que... Ouais. 40 secondes. 40 secondes. Tu peux te permettre. Je me permets. Ouais, tiens, je viens d'avoir un chien, là. Il est là, le chien? Ouais. Maintenant,
En dehors du slam, c'est du théâtre maintenant. Voilà. Il a 6 mois. Il s'appelle Azaria. Il s'appelle Azaria. Azaria, ça veut dire Dieu a secouru. Chers musulmans, Azaria est là pour vous. Dieu veut vous secourir. Venez à Christ. Je vous aime. Merci, Morgane. On va passer à l'avant-dernier temps de ce débat qui est bien très intéressant. Merci. S'il vous plaît, je veux aucune intervention dans la salle. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il n'a rien dit du tout. C'était ridicule. Ah, d'accord, ok. Moi, j'ai rien dit. Non, mais c'est bien. C'est ça. Plutôt mon droit à l'image. Inch'Allah, Dieu va vous sauver. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bien, ça démontre bien ton état d'esprit. C'est mon émission. On n'interpelle pas les orateurs. C'est la dernière fois que je te le dis. Ok. Merci. S'il vous plaît. Karim, Karim Abdallah, ou alors s'il vous plaît, que ça soit Morgane ou Guillaume, merci de ne pas... Mais non, mais il dit les choses en voilà. Audio, mais il ne veut pas qu'on vous le voit. Ignorez ceci, ça se passe ici. Très bien, merci. Ça se passe ici, Morgane. C'est pas grave, monsieur. C'est pas grave, frère. S'il vous plaît, monsieur. Frère, stop. Laisse tomber, d'accord, c'est pas grave. Stop. Pas grave. Stop, stop. Madame, sinon, moi et toi, on va aller manger un bon couscous. Merci. Donc, vous avez raison, il n'y a aucun problème. Et aucun problème. Puis, s'il vous plaît, ce serait très intéressant qu'on puisse encore élever le niveau. Donc, merci d'éviter de vous interpeller, mes chers orateurs, les uns et les autres. Nous arrivons à l'avant-dernier temps de ce débat, encore 2x15. Et après, nous verrons pour la suite. Merci, Karim. Merci, Abdallah. Ok, donc... Merci Morgane et puis Guillaume pour vos interventions. Donc je ne pense pas personnellement qu'avoir utilisé un chien pour montrer le salut de Dieu ait été la meilleure des manières. Pourquoi ? Parce que je rappelle que ton propre Dieu, si c'est Jésus, a dit que les païens sont des chiens. Donc concrètement, en fait, je suis désolé, mais utiliser ça, c'est pas la meilleure des choses. Alors, on va reprendre. Il n'y a jamais... Non, non. Ceci n'existe pas en islam. Alors, moi j'aimerais poser une question. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de débat sur l'éternel ou sur Allah ? Ça c'est une question fondamentale. C'est-à-dire que nous avons les enfants d'Israël, les enfants d'Ismaël à partir de Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, qui n'ont jamais fait de débat sur savoir si Allah ou l'éternel sont le véritable Dieu. Pourquoi y a-t-il eu cette démarcation avec Jésus, paix sur lui ? Il y a deux causes principales. L'abandon du judéo-christianisme primitif et l'apparition des pagano-chrétiens qui sont entrés dans le christianisme et qui ont tenu l'Église depuis énormément de siècles. Ça, c'est un des facteurs. Et l'autre facteur, c'est aussi d'avoir fait une mauvaise interprétation des Écritures. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on vient... avec des concepts qui sont différents de ceux des enfants d'Israël, pour expliquer un livre qui est révélé pour les enfants d'Israël. Moi, ce que je veux comprendre, c'est ça, c'est que la Trinité, Jésus, fils de Dieu selon votre conception, l'incarnation de Dieu, ou le Messie comme étant Dieu, n'a jamais existé chez les enfants d'Israël. Je rappelle quand même que c'était eux qui avaient les prophètes de l'Alliance, jusqu'au Messie. Et ils n'ont jamais connu cette chose-là, cette innovation théologique que vous enseignez. Et ça, c'est gravissime. Pourquoi ? Parce qu'il y a un verset qui est très clair dans l'Ancien Testament et qui vient en fait mettre à plat toute cette, entre guillemets, mascarade. C'est Amos chapitre 3, verset 7, où il est dit que l'Éternel ne fait jamais rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Où est-ce que Dieu a révélé à ses prophètes qu'il allait s'incarner en homme, venir sur terre lui-même ? Je vous laisse tout l'Ancien Testament pour le prouver. Vous avez tous les écrits des prophètes. Ceci n'existe pas. La Trinité non plus n'existe pas chez eux. Il faut bien comprendre en fait la mécanique. C'est-à-dire que ce sont les chrétiens qui sont venus pour essayer d'expliquer aux juifs leurs textes qu'ils avaient depuis plus d'un millénaire. Donc en fait c'est ça, le problème il est là, c'est l'interprétation qu'on va donner au texte. Par exemple, l'interprétation qu'a donné Morgane sur Genèse, le premier verset de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Il nous a dit, voilà, on a le Père, l'Esprit et la Parole. Mais les Juifs qui sont eux gardiens des Écritures disent pas ça. Ils disent que c'est la Parole, Dieu et le trône de Dieu, l'Esprit.
C'était son trône. Vous prenez les exégètes juives, vous allez voir Rashi, par exemple, le plus grand exégète chez eux, et c'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'au-dessus de l'eau, il y avait le trône de Dieu. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans la sourate 11, chez nous dans le Coran. Donc en fait, moi, ce que je veux expliquer, c'est que c'est une question d'interprétation. Ceci n'est pas catégorique. Et surtout, on revient à ce que Dieu a révélé, comme il le dit lui-même à ses prophètes. Qu'est-ce qu'il a révélé ? Il a révélé sa divinité à lui propre. Mais Jésus vient, c'est un prophète, comme dit le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il fait ? Il révèle la divinité de Dieu propre. Quand on prend Paul, pour citer Paul, on ne peut pas le citer sans prendre le clair chez lui. Le clair chez lui, vous le trouvez où ? Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, par exemple, où il dit que, en tout cas, néanmoins, chez nous, c'est clair. Il n'y a qu'un seul Père, c'est Dieu. Bon, ça s'arrête là. Donc on voit que lui aussi, pour lui, qui est juif, le Père, c'est Dieu. Point. Tout à l'heure, on nous a cité Jean chapitre 6, verset 52 de mémoire, ou 47. Mais reviens un tout petit peu avant, dans Jean chapitre 6, mais au verset 27. Jésus prend la parole et dit que c'est Dieu, enfin c'est le Père, Dieu qui l'a fait le sceau de la prophétie. Donc on voit bien que même Jésus, pour lui, le Père, c'est Dieu. Point. Ça s'arrête là. Ensuite, tu nous as reparlé, Morgane, que j'avais utilisé une traduction pour le cas de Exode chapitre 3, verset 14. Je te répète l'argument parce que je vois que tu ne l'as pas compris. Tu utilises le grec, jusqu'à preuve du contraire, Jésus ne parlait pas le grec. Tu utilises du grec pour m'en faire le reproche. Tu utilises égoïmi, qui n'est pas un terme hébraïque, eria. Donc, le reproche que tu me fais, c'est toi-même qui l'applique. Ça n'a pas de sens. Ensuite, qu'est-ce qui a été dit ? On va essayer d'accélérer. Voilà. Ouais. On nous a cité Jean chapitre 10, verset 30, où quel prophète a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Mais qu'est-ce que ça signifie ? Juste avant, c'est marqué que personne ne pourra retirer ce qui a été prévu parmi les disciples de la main de mon Père, tout comme personne ne pourra les retirer de ma main. C'est ce que dit Jésus. Mais il y a quelqu'un qui a dit ça avant. Ça, c'est une ignorance peut-être de Morgane. On va prendre Exode, chapitre 7, versets 17 à 19, où l'Éternel lui-même, regardez bien ce qu'il dit, hein, il dit, tu vas me connaître, moi, l'Éternel, parce que je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main. Deux versets suivants, on nous dit que c'est qui a fait ça ? C'est Aaron, son prophète, qui a pris le bâton et qui a frappé le Nil. Donc on voit que la main de Dieu se fait par la main de son prophète. Eh bien, de même, la main de Dieu se fait par la main de Jésus. Tout comme la main de Dieu se fait par la main du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, puisque dans la sourate 8, il est dit que lors d'une bataille, je l'avais déjà dit auparavant, lors d'une bataille, la bataille de Badr, on avait le prophète qui a fait un miracle, il a pris de la poussière, il l'a envoyé sur tout le monde. Il y avait pratiquement 1000 personnes à cet événement-là. Ils ont tous été touchés. Et qui a fait le miracle ? Dieu nous dit que c'est lui qui l'a fait, mais c'est Mohammed qui jetait. Donc on voit que la main de Dieu, c'est la main de Mohammed. Si vous auriez été musulman avec votre conception, vous auriez dit que Mohammed est Dieu. Tout comme vous auriez dit que Aaron est Dieu. Ceci n'a pas de sens, je suis désolé. Ensuite, Paul est très clair. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Nous avons trois fois le mot chef, kephalé en grec. Trois fois le mot chef. C'est exactement les mêmes genres d'arguments que tu nous prenais avec saint, terre, etc. Ça n'a pas de sens. Et là, on voit qu'il y a un statut. C'est-à-dire que, oui, les trois mêmes mots sont utilisés, kephalé, mais ils ont un statut différent. L'homme, c'est le chef de la femme, un statut. Christ est le chef de l'homme, donc des hommes en général, un statut. Et Dieu est le chef de Christ, encore un statut. Il y a des positions différentes. Et ça, il faut bien le comprendre quand on appréhende les textes. Pour Genèse, on nous a dit que Dieu peut venir dans... en fait, en forme humaine. On nous a cité Genèse chapitre 18, des personnes qui sont venues voir Abraham en disant que c'était Dieu. D'une part, les enfants d'Israël n'ont jamais compris les textes de cette façon. Aucun auteur du Nouveau Testament n'a jamais cité ce texte-là faisant référence à Dieu. Et on va prendre le texte lui-même. Prenez par exemple Genèse chapitre 18, donc le même chapitre. Pour terminer, merci. Ouais, on nous dit que c'était trois hommes qui sont venus. En Exode chapitre 19, juste après, verset 1, on nous dit que deux anges... parce qu'en fait, les hommes ici, c'était des anges, hein, sont partis vers Sodome et Gomorre. Juste avant, c'est le verset qu'il avait cité, c'est où il nous a dit que Abraham se tenait devant l'Éternel. Mais juste avant, l'Éternel dit qu'il va aller vers Sodome et Gomorre et qu'il va voir ce qu'ils font.
Et il envoie quoi ? Les deux anges. C'est Genèse 19.1. Et Genèse 19.13 trouve l'accomplissement de ces choses-là où les anges eux-mêmes disent « C'est l'Éternel qui nous a envoyés ». Merci Karim. Merci. Ça n'a rien à voir avec la Trinité. Merci Karim. Moi, je veux tout simplement commencer parce que plus la séance se prolonge, plus je me demande si nos deux amis nous ont invités à ce deuxième débat pour profiter ou pour gratifier d'un petit enseignement judaïque, petit filou. Je pense que c'est peut-être ça. Et au fait, moi, je veux répondre à Morgan avec une seule chose. Il a dit, oui, que, excusez-moi des termes vulgaires, hein, ça ne fait pas partie des propos de l'islam, de tu as, ça fait chier. Mais je te rappelle que dans Deutéronome, chapitre 23, verset 13, justement, l'Éternel demande à son peuple de recouvrir leurs excréments en pleine guerre. Parce que sinon, il est capable d'abandonner leur peuple en pleine guerre. Mais avec leur conception divine, Jésus étant homme, bah, il mange, il boit, il va aux toilettes, bah, il a l'impureté en lui. Est-ce qu'il est Dieu ? Point d'interrogation. Ensuite, vous nous avez dit que Jésus est sans péché et que c'est le seul qui est sans péché. Donc, je vais vous coller un petit dilemme. Dans Marc chapitre 4, verset 40, Jésus dit à ses disciples qu'ils ont peu de foi parce qu'ils avaient peur de mourir. Mais dans Matthieu chapitre 26, verset 36 à 46, ou plutôt dans Luc chapitre 22, verset 44, Jésus était effrayé et angoissé à l'idée de mourir. Ma question, Jésus à ce moment-là, avait-il peu de foi ? Et avoir peu de foi, est-ce un péché ? Répondez-moi. Et Jésus n'est pas le seul à être sans péché, coraniquement comme bibliquement. Jean-Baptiste, montrez-moi où il a péché. Vous n'allez pas trouver. Maintenant, dans Luc chapitre 18, verset 18, vous avez parlé par rapport à, oui, Jésus ne dit pas qu'il est bon. Morgan nous dit parce que voilà, il essaie l'humilité. Très bien, mais si Jésus n'accepte pas qu'on l'appelle bon, est-ce qu'il accepterait qu'on l'appelle Dieu ? Alors si maintenant vous nous dites que Dieu n'accepte pas qu'on lui donne son titre qui le mérite, je ne comprends plus rien. Et vous nous dites que Dieu ne se glorifie pas, mais je suis désolé, mais on va peut-être avec les frères du collectif là faire un petit groupe de lecture pour vous aider. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu s'est glorifié. Dans Deutéronome chapitre 10, verset 17 par exemple. Ha-hel, ha-gadol, ha-gibor, le Dieu, le grand, le puissant, le Dieu des dieux. Mais il se glorifie. Voilà qui parle hébreu maintenant, celui-là. Maintenant, vous nous avez parlé de moi et le Père, nous sommes un. Bon, vous connaissez, on vous l'a déjà dit à forte reprise, Karim l'avait déjà dit dans l'ancien débat, Jean 17, 11, que Jésus prie pour que les disciples soient un avec le Père. Mais moi, je vais vous rajouter quelque chose. Dans Jean, chapitre 8, verset 17 à 18, Jésus a dit aux pharisiens que son témoignage est vrai. Pour quelle raison ? Parce que conformément à la loi mosaïque, il y a deux témoins. Et ces deux témoins sont qui ? C'est lui-même et le Père. Donc, si vous nous dites que Jésus, lui et le Père sont un, en tout cas pour Jésus, lui et le Père font deux. C'est mathématique. Maintenant, je veux continuer encore des mathématiques, hein, parce qu'ils nous disent que c'est sa partie humaine et sa partie divine. 100% humain plus 100% divin n'égale pas 100%, c'est égal 200%. Mais ce n'est pas grave. On va continuer votre section rattrapage au niveau des mathématiques. Regardez. L'Éternel est le plus grand de tous les dieux. Exode chapitre 11, verset 18. Le Père est plus grand que tous. Jean chapitre 10, verset 29. Donc, le Père égale Dieu. Jésus est moins grand que le Père. Jean chapitre 14, verset 28. Jésus est moins grand que le Père. Le Père étant Dieu, Jésus moins que le Père égale Jésus n'est pas Dieu. Fin du débat. Ensuite, vous nous avez... je reviens, pardon, hein, parce que ça me revient. C'est l'Aïd aujourd'hui. Il faut nourrir spirituellement. Il faut nourrir spirituellement. Dans Jean chapitre 17, quand je vous ai dit que moi et le Père, nous sommes un, ils ont mal fait leur lecture. Ils n'ont pas fait leur devoir. Dans Jean chapitre 10, verset 31, les Juifs ont dit à Jésus, tu te fais Dieu. Et regardez bien, mesdames et messieurs. Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu ? Il leur dit, tu blasphèmes, tu te fais Dieu. Il a dit, mais vous-même, vous vous dites Dieu parce que vous recevez la parole. Comment vous pouvez dire que moi, je blasphème alors que moi, je me dis fils de Dieu ? Mais regardez, eux, ils ont dit que tu te dis Dieu. Jésus réfute. Non, 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 moi, je me dis fils de Dieu. Fin du débat.
Ensuite, vous nous dites, voilà, vous avez parlé de Jésus est venu en forme humaine. Au fait, mesdames et messieurs, il faut bien comprendre. Nos deux amis confondent manifestation et incarnation. Manifestation, c'est le reflet de l'absolu. Ce n'est pas l'absolu lui-même. Je vais donner un exemple. Par exemple, dans Exode chapitre 3, versets 8 à 14. Dieu dit, je suis descendu pour délivrer les enfants d'Israël. Mais ce n'est pas lui qui est descendu, c'est Moïse. Dans Jean chapitre 50, verset 25, la même chose. Dit Dieu vous visitera. Mais ce n'est pas Dieu qui a visité, c'était Moïse. Eux, ils ramènent de l'incarnation. L'incarnation ne fait pas partie du monothéisme. Ils ont hindouisé la doctrine de Jésus. C'est dans l'hindouisme. On appelle ça le sarsama. Et s'ils veulent qu'on leur donne un petit peu de cours de l'hindouisme, qu'ils prennent la carte du collectif également. Il n'y a pas de problème. Nous, on touche un peu à tout. Ah, s'il te plaît, arrête de faire de la pub. Hein. Je fais de la pub, excuse-moi. Donc voilà, ça, c'est, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle en hébreu. Il y a différents types d'interprétations. C'est l'interprétation midrashique. C'est de l'allégorie. C'est figuré. Nos deux amis ont du mal. Et aussi, Morgan a dit un truc très important et très intéressant quand il a parlé de le nous de majesté comme quoi qu'on ne voit pas dans la Bible. Il a dit qu'il nous a donné plusieurs exemples dans la Bible. Mais il y a un proverbe italien qui dit « tradurre queste a tradire ». Ça veut dire trahir, traduire, c'est trahir. Toute traduction est trahison de l'original. Mais quand vous allez dans l'hébreu même, dans la langue même hébraïque, Il n'y a pas que Elohim. On ne met pas le pluriel que pour Dieu. Dans tous les concepts importants, on met du pluriel. Comme par exemple, Meihim pour l'eau, Heihim. Et vous allez voir que quand vous revenez à l'hébreu, c'est du pluriel, mais après le verbe est au singulier. C'est pour montrer que c'est de la majesté. Ça, c'est linguistiquement qu'on vous montre que vous dites n'importe quoi. Shukran. Merci. Un grand merci à Abdallah pour ton talent d'orateur. Très bien, excellent. Ouais. Donc, passe-moi le truc. Sans problème. Ouais. Merci, ma poule. À quoi, c'est ma poule? Ça te fait pas rire, toi. Hein. Il n'a pas l'air, il est constipé. Ouais. Je sais pas. Ok. L'hindouisme. Innovation de notre part, a dit Karim aussi. Hein. On l'a tous entendu. Donc, on est des chrétiens qui innovons. On invente des trucs. On est vraiment des débiles, hein, putain. J'espère que ces mots-là ne te choquent pas trop, Abdoula. Hein, tu devrais plutôt être choqué par le président, par exemple, plutôt que ce genre de mots-là, mais bon. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est moi qui parle? Est-ce que c'est les chrétiens qui parlent? Non, c'est Jésus qui parle. Mais bon, ils savent mieux que Jésus, hein, de toute façon. Donc, on a innové, on a inventé. Alors que c'est Jésus lui-même qui le dit. Il vous ment frontalement. J'ai un grand soupçon que ces jeunes hommes-là pratiquent la taqiya. Vraiment. Ça fait rire, hein. Vraiment, vraiment. Le devoir du mensonge en toutes circonstances. Hein, pas qu'en temps de guerre, d'ailleurs. Hein. Faut arrêter de nous la faire. Ok. Jésus parlait araméen, pas hébreu. Oh, vous écoutez, les gars? Alors, Jésus parlait araméen. Il ne parlait pas donc hébreu, et la Bible a été écrite en grec. Mais alors, ce qui est vraiment, vraiment tragicomique, c'est qu'il reprend le grec quand il veut, quand ça l'arrange. Il nous sort des mots en grec, puis quand ça ne l'arrange pas, là, ça, il ne va pas sortir en grec. C'était en rapport à égoémie. J'ai déjà donné, je pense que c'est très clair. Malheureusement, il y en a qui ont des oreilles pour ne pas entendre et un cerveau pour ne pas réfléchir. Jean-Baptiste n'a jamais péché, mais la Bible n'extrapole pas sur la vie de Jean-Baptiste. J'ai presque envie de dire c'est un personnage important, mais on n'a pas des chapitres entiers sur Jean-Baptiste. On ne connaît pas vraiment sa vie. La Bible nous dit bien que tous sont pécheurs, et celui qui dit qu'il n'est pas pécheur se fait menteur. Tous sont péchés, tous ici sont pécheurs. Il est revenu encore sur eux, il n'y a de bon que Dieu seul. Excusez-moi pour le bug de tout à l'heure. Je voudrais que quelqu'un me réponde ici. Est-ce que Jésus a péché? Est-ce que Jésus est mauvais? Même dans l'islam, Jésus n'a pas péché. Pourquoi vous voulez suivre un homme qui s'est autoproclamé par le biais de certaines personnes prophètes
alors qu'il est pêcheur en puissance. Et pourquoi vous ne voulez pas suivre un homme qui n'a jamais pêché? C'est une question de bon sens. Moi, personnellement, je suis la personne qui n'a jamais pêché, hein, tant bien que mal, parce que je suis très imparfait. Et être chrétien, ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire reconnaître qu'on est imparfait. C'est ça, être chrétien. Reconnaître qu'on est pêcheur et qu'on a un problème. Et qu'on nous demande de faire certaines choses et on n'y arrive pas. C'est ça, être chrétien à la base. Donc, bon maître, comment avoir la vie éternelle, avoir le paradis? Il était en train de lui donner un statut d'homme. C'est pour ça qu'il le refuse. Pourquoi m'appelles-tu bon? C'est pour ça qu'il le refuse. Il a bien implicitement fait comprendre qu'il est Dieu dans ce passage-là. Ok, on avance. Marc au chapitre 5, versets 6 et 7. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, donc on parle d'un possédé, hein, se prosterna devant lui, s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Donc les démons ont bien reconnu qu'il était le fils de Dieu et Dieu lui-même. Les démons, ce sont des êtres donc spirituels, des anges déchus, ils savent quand même un peu mieux que nos deux protagonistes à côté. D'ailleurs, si on va dans le grec, je sais que des fois ça arrange pas toujours hein, le grec, il n'y a pas « du », mais « le », soit « Jésus, le Fils, le Dieu très haut ». Regardez, vérifiez par vous-même. Vous allez sur lueur.org ou lexique sur Internet. Il y a le grec, l'hébreu, c'est très simple, tout le monde peut le faire. Être le Fils de Dieu chez les Juifs, ça voulait dire qu'il est Dieu fait homme, qui contient toutes les caractéristiques de Dieu en lui. Mais il dépend donc de cette condition charnelle, le temps qu'il remonte à Dieu, au Père. Il est juste venu par sa main nous sauver et il remonte au Père ensuite. Donc il n'y a pas de Dieu. Abdullah nous a fait maintenant, après sa démonstration de entre guillemets comique, nous a fait une démonstration de mathématicien. Donc je vous le dis, hein, donc vous avez compris, 1 plus 1 égale 2. Hein, ok? C'est très clair. Hein, on savait pas, on est abrutis, hein, vous savez, nous les chrétiens. Quand il est dit que Noé avait 600 ans, mais quand on nous source, s'il est écrit Noé était fils de 600 ans, qu'est-ce que ça veut dire être fils de 600 ans? Ça veut dire qu'il fait partie de la tranche des hommes de 600 ans. Ça ne veut rien dire si Noé était fils de 600 ans, techniquement, si on le prend au sens littéral, les musulmans ont l'habitude de le faire. Être le fils de l'homme, ça veut dire qu'il provient des hommes. Ça veut dire qu'il est 100% homme. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, en hébreu, donc, ça veut dire Dieu avec nous. Bien sûr, quand il est dit qu'on lui donnera ce nom, c'est en tant que titre, pas de prénom. Parce que forcément, Jésus ne s'appelle pas Emmanuel, il s'appelle Jésus. Pour ceux qui disent que l'enfant Emmanuel est Ézéchias, fils d'Akaz, c'est tout à fait impossible, parce que quand Ésaïe a fait cette prophétie-là, Ézéchias était déjà né. Matthieu, chapitre 1, verset 16. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom, donc le titre, hein, d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » La prophétie s'est bien accomplie. Jean, chapitre 1, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » On l'a vu tout à l'heure. Et allez au verset 14 du même chapitre. « Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, pas l'un des fils de Dieu, du Fils unique, venant du Père. » Je ne comprends pas comment on ne peut pas comprendre ça. Jean, chapitre 20, verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Ce n'était pas du tout... un effet de surprise. Oh, mon Seigneur et mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Non. Il l'appelle bien et on voit Jésus qui répond « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui m'ont pas vu et qui ont cru. » Parce que c'est par la foi qu'on est sauvé, pas par le savoir. Hein, la foi. Hébreux au chapitre 1, verset 8. « Mais il a dit, ton fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Donc l'auteur appelle Jésus Dieu. Et il explique que le Père parle donc à sa parole, qui s'est faite chair, donc Jésus, en l'appelant Dieu. Donc en référence à la prophétie hein, de Psaume 45, 6. En Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59, il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Mais pourquoi donner l'esprit à un prophète? Ça n'a pas de sens. Si Jésus, il donne son esprit à Dieu, pas à un prophète.
Ok. Marc au chapitre 2, verset 5. Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Marc au chapitre 2, verset 10. « Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Qui, à part Dieu, peut pardonner les péchés? Personne. Jamais un prophète n'a pardonné les péchés. Jamais Dieu a permis cette chose-là. Seul Dieu peut nous pardonner. Soyons logiques deux secondes. Ésaïe au chapitre 9, verset 6. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors je sais ce qu'on va me répondre. Depuis quand on l'appelle Père éternel? D'ailleurs, nulle part dans le Nouveau Testament, on l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel ou Prince de la paix. Mais en fait, quand il est écrit « on l'appellera », ce sont ses caractéristiques qui sont en lui. C'est ça que ça signifie en fait. Ce ne sont que des qualificatifs. Quand il dit « Père éternel », c'est parce qu'on se souvient, on a eu une explication complètement vaseuse de Karim. « Moi et le Père, nous ne faisons qu'un. » Il n'y a pas de contexte, c'est très clair. Et après ça, les Juifs cherchent à lapider Jésus parce qu'il se fait Dieu. Ce n'est pas en référence au psaume. Il se fait Dieu avec un D majuscule. Il ne se fait pas juge ou sacrificateur. Hein. Pas du tout. Il n'aurait jamais mérité la mort, la lapidation, s'il s'était fait juge ou sacrificateur. Non, là c'était vraiment un blasphème. C'était parce qu'il se faisait Dieu lui-même. Moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Jean chapitre 10, verset 38. Mais si je l'ai fait, quand même, vous ne me croirez point. Croyez en ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Quel prophète a dit ça? Personne. Personne. Et ce n'est pas une mauvaise traduction. J'ai vérifié. Vérifiez de votre côté aussi. Donc Ésaïe le qualifie de Dieu puissant. Dieu puissant, avec un D majuscule. Ça, on peut jouer sur plein de mots. Hein. Mais expliquez-moi ce Dieu puissant. Après, on peut jouer sur aussi plein de versets. Hein. Dans l'ancien débat, Abdullah nous a fait une démonstration de plein de versets. Hein. Deutéronome, chapitre 4, verset 8. Nombre, chapitre 5, verset 34. Non. Puis ça impressionne l'audience. Parce que les gens sont facilement impressionnables. C'est ce que font nos politiques. Moi, je pourrais faire la même chose, vraiment. J'ai toute une liste de versets, là. Hop là. On appelle Dieu le rocher. Deutéronome, chapitre 32, verset 3 et 4. 2 Samuel, chapitre 22, verset 32. Psaume 89, 26. Et puis pour Jésus, c'est la même chose. Romains, chapitre 9, verset 33. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 et 4. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 8. C'est chiant, hein. Voilà, ça, c'est le résultat des conneries de l'influence d'Ahmed Didat et Zakir Naïk. Excuse-moi, j'ai pas l'accent comme toi, encore une fois. Voilà, ils disent que c'est de l'histoire ancienne, que c'est des anciens, etc. Pourtant, si on va sur les sites, la anti-chauboîte, etc., ils passent leur temps à faire la promotion sur Ahmed Didat, Zakir Naik et tout ça. Pourtant, c'est des anciens, ils sont dépassés. Arrêtez, vous les prenez en exemple. Ils fonctionnent limite comme des prophètes pour vous. Hein, t'as un truc à dire? Excuse-moi, je parle trop. Vas-y. J'espère bien qu'il y a quelque chose à dire. Voilà, je vais répondre à quelques points qui ont été soulevés par nos amis musulmans. C'est Karim, tout à l'heure, tu as parlé, en fait, tu m'as repris sur... C'est bon, arrêtez les flashs. Tu m'as repris sur Genèse 18 pour me dire qu'en fait, non, c'était aucunement Dieu, c'était que des anges. En fait, moi, pour moi, le texte est clair. C'est que tu en avais deux. Oui, c'était effectivement, comme tu l'as dit, les anges, qu'après, tu vois que les deux vont dans la ville. Mais il y en avait bien un, c'était deux, c'était Dieu. Parce que quand moi je lis, je veux dire le verset, Genèse 18, verset 22, donc ça dit les hommes s'éloignèrent. Donc là on parle des hommes avec qui Abraham était, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Il faut bien qu'on a deux qui sont partis, et l'autre il est resté devant l'Éternel. Et c'est après on voit qu'il parle avec Dieu. Donc moi je crois, comment tu peux dire qu'il n'y a pas Dieu? C'est que tu en as deux, c'était des anges, mais l'autre c'était vraiment l'Éternel. Parce qu'il dit, il reste devant l'Éternel, il est en présence de lui. Il y en a deux qui s'en vont, parce que tu vois bien qu'après les deux, comme toi, tu as bien dit, ils sont dans la ville. Donc ça fait que sur les trois, tu en as deux qui partent dans la ville, comme tu l'as dit au chapitre suivant, et il y en a un qui reste devant Abraham. Il nous dit que celui-là, c'est l'Éternel. Il reste devant l'Éternel. Il est en présence. Après, on voit comment il parle, machin. Après, oui, c'est vrai que tu as raison dans certains versets, quand on parle de l'Éternel qui va venir, machin, c'est par un prophète. Je suis d'accord avec toi. Il y a des versets où, comme tu l'as très clairement montré, c'est ça. Mais d'autres versets, ce n'est pas le cas. Où c'est vraiment Dieu qui est là.
Comme quand Moïse, il voit une représentation de l'Éternel. Qui il a vu ? Il dit, il voit une représentation, sachant que plus loin, on dit qu'il ne peut pas voir Dieu. Donc, c'est, on comprend. S'il a quand même vu une représentation. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on dit que Jésus, il est l'image. Donc, c'est à peu près le même mot en grec qu'en hébreu, c'est l'équivalent. L'image ou représentation, c'est Jésus, l'image du Dieu invisible. Donc, si Moïse, il voit la représentation, il la voit de ses yeux, il voit l'Éternel, il le voit devant lui. Ça me dit, il parle comme un homme face à un homme. Donc, qui l'a vu ? C'est ça que je veux, expliquez-moi qui Moïse a vu quand il a vu la représentation de l'Éternel. Il a vu quoi ? Un rouquin, j'en sais rien, un an. Il faut expliquer, parce que pour moi, c'est clair, dans le Nouveau Testament, on dit Dieu est invisible et l'image, c'est Jésus. Qui Moïse a vu ? En tout cas, pas un chien, surtout pas un chien. Et oui, après, il y a eu d'autres questions soulevées. C'était, je crois, dans... C'est-à-dire, le Père est plus grand que moi. Donc ça, nous, pareil, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, et Morgan aussi, on n'a aucun problème avec ce genre de verset qui est expliqué par Paul, quand il nous dit, au sujet de Jésus, « Lequel, existant en forme de Dieu, donc il est Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé. » Donc c'est là qu'on voit il a l'égalité qu'elle n'y est pas. Pourquoi il dit « Le Père est plus grand que moi », c'est toujours ça. Après, oui, vous avez raison dans, quand vous avez dit que... Dieu se glorifie dans l'Ancien Testament, on n'a aucun problème avec ça. On est d'accord. Mais nous, on parlait pendant la mission qu'il est venu faire sur terre, qu'il ne s'est pas glorifié. Quand on dit qu'il ne se glorifie pas, on ne parle pas de Dieu dans l'Ancien Testament, dans Dieu dans toute la Bible. On parle juste de son passage sur terre, de quand il est venu avec, avec une condition charnelle. Et on parle de ça. Donc oui, c'est, dans l'Ancien Testament, il se glorifie, mais ça n'a aucun rapport avec quand il dit si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Là, il parle vraiment pendant qu'il est sur terre. Après, il y a eu d'autres versets de cité, pareil, c'est toujours expliqué par notre conception de la kénose, qu'on dit que Christ est inférieur machin, à Dieu, c'est expliqué dans notre Bible. Après, oui, tu as raison, tu dis que Paul, il met Jésus en dessous de Dieu, c'est vrai, mais il y a aussi des passages où il dit que Jésus est Dieu, où il appelle notre Dieu et sauveur Jésus. Comment, c'est pourtant clair, c'est qu'un coup, il parle de Jésus comme inférieur au Père, donc c'est ce qu'on appelle la kénose, et un coup, il appelle Jésus Dieu, donc c'est qu'il le reconnaît comme Dieu. C'est exactement ce qu'on appelle, nous, la condition divine, donc il est Dieu. Il crée, comme je l'ai déjà expliqué dès le début, qu'il a tout créé, tout a été fait par lui et pour lui, qu'il avant toute chose. Donc, il est divin. Il vient avec un corps d'homme. C'est une créature. Donc, on lui attribue des... Un grand merci, Guillaume. Juste, s'il vous plaît. C'est la conclusion. Pardon ? Conclusion. 5 minutes de conclusion, chacun. Non, c'est fini. Il y a une fois de plus. Non, mais là, on ne peut pas. On a commencé trop tard. Il y a un truc juste après. Ouais. Donc, juste, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Merci, chacun se lève, chacun se lève. Voilà, on va juste lever les mains. Voilà, bye bye. Ça fait du bien, parce que je vois, j'observe qu'il y en a quelques-uns qui sont endormis. Donc nous passons maintenant à la conclusion. Donc l'ensemble des orateurs auront chacun 5 minutes, puisque ce théâtre fonctionne, bien sûr, et qu'il nous accueille quasiment gracieusement. Donc un grand merci. Je dirais encore pour ce privilège, cette joie, mais aussi, je dirais, tout cet apport qui est vraiment enrichissant. Et donc, suite à cette conclusion, je pense que vous allez tous me haïr, tous me détester, puisque je sais que ça sera le temps de débat, temps de questions, mais malheureusement, ce temps sera aussi limité. Donc, nous prendrons une première série de questions, c'est très important. Je ne partirai pas de là sans qu'il y ait quand même quelques séries de questions. Voilà, prenez place, ça fait du bien, alhamdoulilah. Merci à Karim. C'est démarré. Vu que mon temps a été raccourci de presque une demi-heure, on va devoir. J'aurais voulu répondre à tout ce qui a été dit, malheureusement. Il y a une conférence après, à 17h. Donc, j'ai dit que oui, le christianisme a une conception innovée. Il n'y a plus pas fort, de problème. Karim, plus fort. Ce n'est pas moi qui le dis. On va prendre par exemple Tertullien, qui est un père de l'Église. Au deuxième, au troisième siècle, qu'est-ce qu'il a dit ? Nous n'adorons pas un autre Dieu, nous adorons le même Dieu autrement. C'est une innovation. Vous avez une conception qui n'a jamais existé chez les enfants d'Israël. Pour l'instant, vous venez avec vos interprétations, mais vous ne m'avez jamais sorti l'interprétation des enfants d'Israël pendant plus d'un millénaire. Ça, c'est un problème. Tu nous as accusé de Taqiyya, on va régler ça très rapidement. Le hadith, je crois, le plus célèbre et le plus rapporté, c'est celui qui dit que celui qui ment, le professeur Salem a dit que celui qui ment à mon encontre, qu'il prépare sa place en enfer. Tu crois vraiment que j'ai envie d'aller en enfer ? On ne ment pas. D'ailleurs, tu suis des gens comme Majid Lukacha. Je te rappelle que Jean Robin, qui est son producteur, a écrit un article en disant que ceux qui accusent les musulmans de Taqiyya sont des idiots. Alors, ensuite...
Ok, d'accord. Tu nous as dit donc que Ésaïe chapitre 7, verset 14, donc qui est répété en Matthieu chapitre 1, verset 23, et qui dit qu'on appellera donc l'enfant qui naîtra de la Vierge Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Oh, très bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu vas prendre Acte chapitre 10 au verset 38, où il est dit que Dieu était avec lui. Donc si Dieu est avec nous et que Dieu est avec lui, ça va poser un problème. Tu ne comprends pas les textes. C'est-à-dire que par la présence du Messie, Dieu est avec nous, mais que Dieu est avec lui aussi. On va continuer. Ensuite, y a tellement de trucs qui ont été dit. Tu m'as dit que oui, Jésus parlait araméen. Je ne sais pas si c'est là qui parlait aussi l'hébreu, puisque c'est la langue liturgique. La kénose, ça vient du grec kénosis. Cette chose-là qui est répétée, enfin qui est dite dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Vous nous dites que c'est un dépouillement. Si c'est un dépouillement et qu'il a perdu les attributs, donc Dieu a changé. Si Dieu a changé, vous contredisez l'écriture qui dit que Dieu ne change pas. Et ça, c'est très important. Parce que Dieu ne sait plus les choses, il ne sait pas l'heure, il n'est pas omnipotent, il n'est plus omniscient. Vous avez complètement contredit l'écriture. Ça n'a rien à voir. Le terme qui est utilisé dedans, c'est morphé. Et morphé, tout comme eikon, sont des mots interchangeables dans la Septante, le grec de l'Ancien Testament. Et en fait, ça signifie qu'il est le reflet de la volonté divine. Ça n'a rien à voir avec qu'il est en forme de Dieu. Ça veut dire quoi, en forme de Dieu, si Dieu est invisible? Ça n'a absolument aucun sens. Tu nous as cité le fait qu'on suit des gens comme Ahmed Hidat via un groupe anti-choubouette. Je ne connais pas anti-choubouette, d'ailleurs je leur passe un petit bonjour. Concrètement, je ne les connais pas. Si tu as des problèmes avec eux, va voir directement avec eux. Ensuite, on nous a cité Colossiens chapitre 1, verset 15, où il nous est dit que c'est Jésus qui a créé les choses. Non, le terme qui est utilisé en grec, c'est « dia ». Et « dia » dans Colossiens chapitre 1, verset 16, signifie « en » ou « par ». Donc, les choses ont été créées en lui ou par lui. Ça change complètement la donne, selon l'interprétation qu'on va en donner. Donc c'est pour ça qu'il faut bien revenir aux langues principales pour pouvoir bien les comprendre. Tu nous as dit qu'il y avait des variantes de divinité, ça ne change pas le contenu, c'est faux, puisqu'en fait ça change de savoir si Jésus est Dieu ou non. On a une variante qui te dit que Jésus est Dieu, et l'autre qui dit que ce n'est pas Dieu. Ça, c'est une chose qui n'a jamais existé. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 19, où il est dit que « Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », je te signale qu'il y a une variante textuelle qui existe sur cette chose-là, où en fait le Père, Fils, Saint-Esprit n'existe pas. Ça, c'est chez Eusèbe de Césarée, c'est dans ses rapports qu'il fait au 4e siècle. On n'a pas de manuscrits qui sont antérieurs pour témoigner du contraire. Donc on a son témoignage à lui et l'ensemble des manuscrits contraires. Je ne suis personnellement pas convaincu par cette chose-là, mais je préfère quand même le dire. Et le fait de dire « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ne veut pas signifier une trinité. Je te rappelle que la question principale, c'est où est-ce que les enfants d'Israël, les prophètes israélites, ont mentionné l'incarnation de Dieu sur terre, le Messie comme étant Dieu, la Trinité, Jésus comme étant le Fils de Dieu. Je suis désolé, tu n'as pas répondu à ces questions. Tu es venu à ce débat Morgan Priest et tu repars Morgan Trist. C'est tout. 40 secondes. Paris, pas 40 secondes. Paris. Non, laisse donc, s'il reste 40 secondes, je vais les prendre. 40 secondes. Profite-en. 29 secondes. 28 secondes. Laisse-moi faire, toi. 27 secondes. Non, pas en 40 secondes que tu vas en 25 secondes. Ouais, t'inquiète pas. Laisse-moi, c'est 5 minutes. Non, t'as plus 5 minutes aussi. 20 secondes. C'est 5 minutes chacun. Yes. Ah, ok, d'accord. Bon. 10 secondes. Ouais. Laisse-moi faire. Ah oui, tu as dit que Étienne avait en fait donné son esprit à Jésus, mais tu as oublié de dire aussi que Jésus a donné son esprit à Dieu. Donc c'est la même chose, tu ne comprends pas les textes, il faut bien toujours prendre le clair avant de passer l'ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire que Étienne donne son esprit à Jésus? Ce n'est pas à lui qu'il le donne, puisque Jésus lui-même a remis son esprit à Dieu. Rien merci à voir. Merci beaucoup Karim. C'est bon? C'est bien. C'est moi. Bon, Karim m'a inspiré. Il m'a encore inspiré, je suis désolé. Morgan repart triste car les fils de l'islam le pistent, ses allégations ont des pistes et finit Morgan hors de piste. Donc maintenant, je disais, tu nous disais que Jésus est le sauveur, mais je te rappelle que dans Luc chapitre 16, verset 27... Là, on a un slameur aujourd'hui. Je te rappelle que dans Luc chapitre 16, verset 27 à 31, on dit qu'il faut suivre Moïse et les prophètes pour être au paradis, donc eux aussi sont sauveurs. Et quand tu nous dis que Jésus, qui peut pardonner les péchés, c'est Dieu. Je te rappelle également que dans Jean chapitre 20, verset 23, les apôtres également pouvaient pardonner les péchés. Sont-ils tous Dieu? Je te pose la question. Tu disais que Étienne a reçu l'Esprit, mais je te pose une question. Dans Jean chapitre 13, verset 21, Jésus était troublé en son esprit. Dieu troublé en son esprit?
Pas besoin de commentaires. Dans Matthieu chapitre 17, versets 22 à 27, Jésus paye ses impôts avec Pierre. Dieu qui paye des impôts à ses créatures, pas besoin de commentaires. Dans Marc chapitre 7, verset 24, Jésus tente de se cacher, mais il n'arrive pas. Dieu qui tente de se cacher dans son royaume et qui n'arrive pas, pour la troisième fois, Trinité, de pas besoin de commentaires. Maintenant, ce qu'on va continuer, tu nous as parlé de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Alors d'abord, je vais te dire quelque chose. Au verset 24, juste avant, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Mais le verset nous dit quoi ? Thomas n'était pas là. Donc les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, n'ont jamais dit que Jésus était Dieu. Lui, il préfère écouter celui qui n'a pas reçu encore le Saint-Esprit. Ok, bah bravo. Maintenant, je te dis aussi dans Matthieu chapitre 16, verset 17, Pierre, qu'a-t-il dit quand Jésus a demandé « Qui dites-vous que je suis ?» Il a dit que tu es le Fils de Christ, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et dans la version de Marc, tu es le Christ. La version de Luc, tu es le Christ. La version de Jean, tu es le Saint de Dieu. Et Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais regardez, Pierre a une révélation pour dire que Jésus est le Messie du Père, mais Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu, rien du tout. Pourtant, c'est censé être plus important. Pourquoi il n'y a pas eu de message, il n'y a eu rien du tout. C'est bien une exclamation, comme l'a dit mon frère. On va vous expliquer tranquillement. Tu nous as parlé des démons, mais moi, la dernière fois, je t'ai dit que les démons connaissaient mieux les Écritures que toi. Là, je te dis que les démons sont même moins égarés que toi. Lorsque tu vas dans Marc chapitre 1, verset 34, les démons connaissaient Jésus. Ils ont dit, tu es le Saint de Dieu. Dans Marc chapitre 3, verset 11, tu es le Fils de Dieu. Ça veut dire, et regardez mesdames et messieurs, leur maximum aux démons, c'est de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Leur égarement s'arrête là. Mais Morgan et Guillaume surpassent et dépassent même les démons en disant qu'il est Dieu alors que Jésus ne l'a pas dit. Mais moi je me pose la question, qui est le plus démoniaque entre vous et les démons? Répondez-moi. Ensuite, moi je vais juste finir, parce que comme le débat, malheureusement, on aurait aimé que ce soit plus scientifique, c'est dommage, le niveau n'est pas trop élevé, mais regardez, je veux juste répondre à votre ignorance assoiffée en vous abreuvant par un tout petit enseignement judaïque. Dans Luc, chapitre 2, verset 21, Jésus s'est fait circoncire le huitième jour, conformément à la loi mosaïque. Alors, on va maintenant leur confronter à leurs conséquences dramatiques. Regardez, si Jésus s'est fait circoncire, Jésus, excusez-moi mesdames et messieurs, est doté d'un appareil génital pour se reproduire, lui qui est censé être l'unique. Moi je vous réponds ce que le Coran vous a dit dans la sourate 39, verset 67, ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. Et puis maintenant je vous donne autre chose, il s'est fait circoncire. Est-ce que vous savez comment se pratiquait la circoncision chez les Juifs? Ce qu'on appelle Brif Mila, brif, alliance, Mila, coupure, il y avait six grands principes. On ramène un Mohel, un spécialiste de circoncision. Et lui, il fait six grands principes. Ce qu'on fait, c'est la Havisha, la Bakara Rishona, la Bakara Shenia. C'est des trucs après l'opération. Maintenant, on va commencer les trois premiers principes. Il y a ce qu'on appelle la Mila. On sectionne le prépuce. Excusez-moi, hein. Je m'excuse vraiment. Je m'excuse, je veux rentrer dans les détails. Je vous demande pardon et je remercie Dieu d'être un homme de couleur, ce qui me permet de dissimuler la gêne que je vais vous annoncer. Mais dans les trois principes... Moi, je suis tout près, je vois tout. Dans les trois principes, le dernier, ça s'appelle la mitzitza. Est-ce que vous savez c'est quoi la mitzitza, mesdames et messieurs? La mitzitza consiste à sucer le sang à l'incision pour nettoyer la plaie par la bouche, par le moyen bucogénital. Est-ce qu'on peut dire... Vous avez vu à quoi ils ont réduit les enfants, le Dieu des enfants d'Israël? À ce qu'il ait un contact bucogénital avec sa créature? L'Éternel, le Dieu, celui qui est digne de louange, doté d'un instrument de reproduction sur la bouche de l'une de ses créatures. Mais les yeux ne peuvent pas le voir et les cœurs ne peuvent pas l'imaginer. Et c'est la triste conception de votre croyance divine. Merci. Abdallah, on peut l'applaudir. La parole est à Morgane. Mesdames et messieurs, on a l'impression qu'ils vendent des portables, celui-là. Okay. 5 minutes, c'est bon, c'est parti. Effectivement, ils ont raison. Hein. Je suis triste, vraiment triste. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce 11 septembre, ils ont été les deux tours et nous les avions. C'est triste pour eux. Merci. On ne vous entend pas. Il continue. S'il vous plaît, il n'y a pas une intervention là, il n'y en a pas là. Ok, j'ai pas fini, merci. J'ai plein de surprises pour vous. Merci. Ok.
je vous conseille deux livres. Majid ou Kacha? Oh, t'as fait chier, toi, hein. Majid ou Kacha, vraiment, si vous êtes vraiment de bonne foi, cher ami musulman, vraiment de bonne foi, eh ben, n'écoutez pas ces gens-là, n'écoutez même pas moi, n'écoutez personne. Lisez directement le bouquin, vraiment. J'en ai rien à foutre de Jean-Robin. Jean-Robin, c'est pas mon pote, on s'est déjà rencontré une fois, basta, c'est pas mon pote, on mange pas ensemble, je m'en fous complètement de son éditeur. Moi, ça pourrait être Jacques Chirac, j'en ai rien à foutre. Moi, je vous parle du livre de Majid ou Kacha. Voilà. Il veut pas débattre. Et pourquoi il veut pas débattre? Parce que justement, à cause des menaces, du nombre de menaces par dizaines qu'il reçoit, et à force, je pense qu'on se méfie quand même, quoi. Donc, après tout, il connaît pas ces personnages-là. Donc, c'est normal de se méfier. Sa tête est mise à prix, je le rappelle. C'est lui qui reçoit des menaces de mort. S'il vous plaît, pas de chuchotement, je veux rien entendre. C'est lui qui reçoit des menaces de mort. Sûrement pas vous et pas toi non plus qui viens de dire ça. Et je vous conseille un autre livre qui s'appelle Jésus et Mohamed de Marc A. Gabriel. Vous regardez par vous-même les grandes différences entre le, entre guillemets, prophète et Mohamed et Jésus. Et vous verrez par vous-même. Lisez les textes, n'écoutez pas les beaux parleurs, on s'en fout des beaux parleurs. Ok, Abdallah donc disait que le niveau n'était pas élevé ce soir. Mais qu'est-ce que t'es venu foutre ici? Tu savais très bien comment ça se passerait, puisqu'on a déjà débattu ensemble. Tu es vraiment venu perdre ton temps, tu dois avoir une vie vraiment palpitante pour venir ici perdre ton temps. On a toujours pas répondu à la question au sujet d'Étienne, qui remet son esprit en Jésus. Hein. Il répond une question par une autre question qui n'a rien à voir. Répond à cette question-là. Pourquoi Étienne a remis son esprit à Jésus? On a expliqué 10 fois le principe de la... Vous écoutez ou pas? On a expliqué 10 fois la partie humaine de Jésus. Et c'est pour ça qu'il dépend tout le temps de Dieu. Il dépend tout le temps du Père qui est aux cieux. Tout le temps. Parce que le temps de 33 ans, il s'est dépouillé lui-même, la kénose. Ils font comme si, on a l'impression qu'on peut leur expliquer 1000 fois. Ils n'écoutent pas, ils restent dans leur truc et tout ça, dans leur formatage. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais c'est incroyable, quoi. Donc voilà. L'important pour moi, c'est de vous avoir quand même, pour nous, d'avoir tenté de vous faire comprendre certains principes trinitaires, tant bien que mal. Ça fait partie des temps de la fin, l'apostasie. Paul le dit bien, au temps de la fin, il y aura l'apostasie. Il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. J'en avais déjà parlé dans l'ancien débat. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables selon leur propre désir, à eux, détourneront l'oreille de la vérité, qui est Jésus-Christ, et se tourneront vers des fables. Je veux pas vous sortir encore plein de versets, mais c'est... Deux minutes encore. Ouais. Pareillement, j'ai jamais eu de réponse vraiment concrète à ce verset-là. Pourtant, il y a plein de réponses. Hein. Mais alors, ça part dans tous les sens, c'est un massacre complet. Galates, au chapitre 1, verset 8. Ça va faire sourire encore. N'empêche que les réponses sont complètement obscures. Si même un ange du ciel vous apporte un autre évangile que celui qu'on vous a prêché, que celui-ci soit anathème. Le mot évangile, en son terme étymologique, de bonne nouvelle. Hein, parce qu'au moment où ça a été écrit, les évangiles n'avaient pas encore été écrits. C'est d'abord Paul qui a écrit ses épîtres. Donc, qu'est-ce qui est apparu à Mohamed dans la grotte? Un ange, rapportant une autre bonne nouvelle. Le Coran se veut quand même être une bonne nouvelle pour les musulmans, ça ne veut pas être une mauvaise nouvelle. Hein. Donc, si même un ange du ciel vous amène une autre bonne nouvelle que celle qui a été prêchée auparavant, que celle-ci soit anathème. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un autre prophète alors que Jésus a bien dit « tout est accompli ». Si tout est accompli, qu'est-ce que tu cherches autre chose? Tout est accompli, c'est terminé. Nous sommes sous le temps de grâce, sous le temps des nations depuis 2000 ans, afin que celui qui croit en Jésus-Christ, donc en Dieu, ne périsse pas, mais la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. C'est aussi simple que ça. Vous avez un concept de, excusez-moi, j'ai pas l'accent encore une fois, hein, désolé, des chassénettes, donc des comptages entre guillemets de points. J'avais l'accent, ça fait rire, c'est bien, ça occupe la vie de certaines personnes. Mais un chrétien, lui, ça marche pas comme ça. Les œuvres sont la démonstration de la foi. Mais ça veut pas dire qu'il va faire que des bonnes œuvres, il va être parfait sous tout point. Parce que nous avons un problème, nous avons le péché en nous. 10 secondes. Les 10 secondes, ça sera pour faire un appel à la prière pour tous ceux qui sont venus aujourd'hui, précisément pour Karim, Abdullah et tous les ceux qui sont donc tous les prédicateurs. Je demande aux chrétiens de prier vraiment dur, vraiment fort pour eux, parce qu'il y a vraiment le voile. Vraiment, vraiment prier pour Morgane. Eux. Un grand merci, on peut l'applaudir. Et merci pour vos prières pour moi aussi, pour ma protection. Parce que, attends, juste un truc.
parce que je sais que c'est pas par eux, hein, mais je suis menacé de mort, ok? Donc, moi, je sais ce que c'est hein, quand on me dit pourquoi il a refusé le débat, Majidou Kacha, parce que moi aussi, je suis menacé de mort et je suis venu. Je suis venu quand merci, même. Donc, Morgane, voilà. Un grand merci. Par des musulmans. Guillaume, à toi Guillaume, la parole est à Guillaume. Oui, moi, j'aimerais revenir sur ce que Karim il a dit, parce qu'en fait, sur le mot Dja, quand j'explique que Jésus est tout écrit par lui, et là, il me sort l'exégèse des témoins de Jéhovah, qui est une secte. Donc, c'est que pour me réfuter, là, il vient de se baser sur l'exégèse d'une secte. Bah, oui. Alors ça, j'ai jamais vu ça. C'est, il me sort que le mot Dja, oui, mais ça veut dire à travers lui. Ça, c'est les arguments binaux témoins de Jéhovah. Je vais donner un exemple. Romains 11, 36, qui parle de Dieu et du Père. Il dit quoi? C'est de lui, par lui, donc Dja, et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire des siècles et des siècles. Amen. C'est le mot Dja, et ça change quoi? Il a créé, et c'est pareil avec Jésus. Sur le mot Dja ou pas, ça change rien. Okay. C'est pareil quand on dit, afin que ce s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète Esaïe. Qu'est-ce qui a été annoncé par Esaïe? C'est le mot Dja. Mais c'est Esaïe qui l'a annoncé la prophétie. Le mot Dja applique toujours une participation à l'action de la personne qui est décrite. Quand on dit que tout est fait par la parole, ça implique bien que c'est la parole qui a fait, même si c'est le mot Dja ou pas. Et on le voit, parce que même avec Dieu, quand on parle du Père, on utilise le mot Dja. Et pareil, même avec je prends notre exemple, Matthieu 26, 24, que dit malheur à qui malheur par l'homme, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Donc là, il est question de Judas. Il dit malheur à lui parce qu'il livre Jésus. Parce que Jésus est livré par lui, et c'est le mot Dja. Mais Judas a bien participé à l'arrestation de Jésus. Même si c'est le mot Dja, ça change de quoi? Ça sert à rien. C'est vraiment les exégèses bidons des témoins de Jéhovah. C'est on prend les rabbins pour ce que les rabbins disent pour nous réfuter, on va piocher chez les exégèses témoins de Jéhovah. Donc là, je comprends pas trop. Après, on nous reproche en fait qu'on ne se penche pas assez sur ce que disent les juifs. Moi, je vais expliquer pourquoi. Par exemple, je vais citer une prophétie, donc il est Esaïe. Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Pourquoi je devrais me fier à ce peuple que même Esaïe a profité sur son propre peuple qui donnait faussement des commandements, machin? Pourquoi je devrais me fier à eux, même alors que la prophétie est claire? Ça sert à rien que je me fie à eux. Même si c'est utile, ils ont eu, à l'époque, ils ont fait des choses bien, mais on voit bien qu'il y a un problème au niveau chez les juifs. Aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour nier ce qui est dans leur livre. Et j'aimerais terminer par un dernier verset qui est dans l'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, premier verset. De la part de Simon Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Mais bon, Jésus, il n'est pas Dieu dans la Bible, où c'est compliqué, machin, c'est on déforme. Pourtant, c'est clair. Notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Deuxième épître de Pierre, premier chapitre et premier verset. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Merci Guillaume. Super. On va simplement procéder comme suit dans ce temps de questions-réponses. S'il vous plaît, une première question. Une première question. Allez-y, monsieur. Vous vous levez. Vous vous levez. Une question, hein. Une question. Classe. J'aurais aimé poser une question. C'est juste après, monsieur. Vous voyez, je vous demande pardon. Prenez l'aimabilité, la grandeur. Assieds-toi tout de suite. Donc, comme l'a dit Abdullah, au sujet du roi de Tyr qui s'est déclaré Dieu, alors que Jésus ne s'est pas déclaré Dieu, au moins clairement disant « je suis Dieu », Dieu lui dit « diras-tu peut-être devant celui qui te tue, je suis Dieu, mais tu seras un homme et non pas Dieu dans la main de celui qui te transperce ». Jésus peut-il dire aux Romains qui l'ont fouetté, aux Romains qui l'ont transpercé lorsqu'ils l'ont crucifié, et aux Romains qui l'ont transpercé une fois qu'il était mort, qu'il est Dieu ? Merci beaucoup, très bonne question, c'est excellent. Si. Merci. Tu l'aurais pu, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bah, je pense qu'il l'aurait pu, mais après il le dit lui-même, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Donc à partir de là, comment on peut s'attendre à ce qu'il dise les mots, mot pour mot, je suis Dieu? S'il dit ça, il va se glorifier, alors qu'il dit lui-même, il ne veut pas se glorifier. Donc c'est pour ça, il le fait comprendre par plein de manières. Et la preuve, c'est que même les apôtres, comme j'expliquais, quand Jean applique à Esaïe la prophétie, que quand Jean applique, dit que Esaïe a vu le Messie, qu'on voit dans Esaïe, c'est Dieu, ça prouve très bien qu'il avait très bien compris tout ce que Jésus disait. Après, c'est vrai qu'il a dit pas pour moi je suis Dieu, mais Dieu, même si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Bah ouais, on n'a jamais entendu Jésus dire moi j'ai ressuscité un mort, ou moi j'ai rendu la vue à un aveugle, moi j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Non, il était vraiment, il s'est dépouillé, donc c'était l'humilité totale. C'est pour ça qu'il ne se glorifie jamais en tant qu'homme. Mais bien sûr, Dieu en tant qu'esprit, le dit tout le temps dans l'Ancienne Alliance. Je suis l'Éternel, etc. Donc il le dit clairement. Mais là, d'ailleurs, il ne pouvait pas le dire, Jésus, tout simplement, parce que s'il avait dit « Je suis Dieu, adorez-moi », il se faisait lapider direct. Il a déjà failli se faire lapider un paquet de fois. Et là, il n'aura pas accompli la loi, en fait.
Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne dit pas « Je suis Dieu, adorez-moi ». Et c'est encore une fois, il dit bien à Pierre « Et toi, qui dis-tu que je suis ?» Et là, il le reconnaît comme le fils de Dieu. Et là, il lui répond « Tu es heureux, Simon, Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc il le dit, il est le fils de Dieu, et il le reconnaît très bien comme Dieu. C'est très clair. Et après, Jésus dit bien qu'il bâtira son église sur cette foi-là. C'est Jésus qui bâtit l'église, c'est pas Pierre qui a bâti l'église. Un grand merci. Monsieur, est-ce que votre question s'adresse à mes amis et frères musulmans? Oui. Très bien, alors allez-y. J'aurais aimé vous poser une question de donner l'origine du mot « Issa ». Moi, j'ai rien entendu. Issa. La définition du nom Issa. L'origine. L'origine. Du mot Issa, puisqu'en arabe, il s'appelle Yeshua. D'accord. Merci. Mais monsieur, vous n'êtes pas dans le thème. Excusez-moi. Autre question? Merci. Autre question pour nos frères et amis musulmans. C'est pour nos frères musulmans? Oui ou non? Oui. Ok, alors allez-y, monsieur, levez-vous. Voilà, Barthez, ça fait plaisir. Bonjour. Donc, Rémi de Lyon. Je voulais vous poser juste une question, elle est toute simple. Est-ce que vous entendez? Je vais parler plus fort, ok. S'il te plaît. Poser une question toute simple, je lis un verset de la Bible, donc en Jean 17,5, vous le connaissez certainement. Il est écrit « Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de moi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Donc là, c'est Jésus qui parle au Père et qui dit « Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde même existe. » Donc on voit qu'il dit qu'il a une gloire avant la création du monde. Et c'est le thème de la kénose qui est là, qui a rapporté là, il avait une gloire et s'est dépouillé de cette gloire. Et c'est vrai que je trouve que vous n'avez pas vraiment répondu à cette question de la kénose. Il est un peu esquivé. 10 secondes. C'est clairement dedans. Et pourquoi est-ce que vous évacuez la kénose dans votre interprétation? Et c'est toujours un peu les arguments d'Abdallah qui reviennent. Un grand merci, monsieur. La partie est à nos amis musulmans. Réponse claire de Karim et Abdallah. Le verset se trouve dans Jean chapitre 17, verset 5. Déjà, tout d'abord, on revient au verset clair. Le verset clair, il se trouve deux versets avant. Jésus dit, le seul véritable Dieu, c'est qui? C'est toi, Dieu, l'Éternel. Et moi, je ne suis que ton envoyé, Jésus le Messie. Ça, c'est un verset clair. Le verset que vous me citez ensuite, qui est deux versets après, ça parle de quoi? Ça parle de la gloire que Jésus avait avec Dieu avant que le monde ne fût. Mais qu'est-ce que ça signifie? Mais justement, soit on le prend comme vous, comme étant préexistant, d'accord? Soit en fait, c'est l'idée messianique préexistante comme il existe dans le judaïsme. C'est-à-dire que le Messie est la première créature qui a été faite. D'accord. Tout comme ensuite ça a été la Torah, etc. Il faut bien comprendre la chose. Jésus parle à des juifs, des apôtres, qui sont eux-mêmes juifs. Ils ne viennent pas avec une notion de préexistence. Le Messie peut préexister à l'un dans la réalité, mais pas au niveau personne. Il préexiste en tant qu'idée messianique. Et d'ailleurs, il suffit de voir par exemple Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, où c'est clair. Dieu a parlé auparavant avec les prophètes, et maintenant... À l'heure actuelle, il a parlé par le Fils. Il n'a jamais parlé par rapport à lui auparavant. Donc, le fait de dire que, par exemple, dans l'Ancien Testament, Jésus a déjà parlé, etc., c'est une fausseté. Le chapitre d'Hébreux réfute cette chose-là totalement. L'histoire de la kénose en tant que telle, c'est quoi? Vous nous dites que Dieu s'est dépouillé. Je n'ai pas esquivé la question, je vous y ai répondu, vous n'avez peut-être pas compris la chose. Vous nous présentez un Dieu qui n'a plus ses attributs. Donc, comment est-ce que vous voulez que des croyants pensent et croient à un Dieu qui ne sait plus, qui n'est pas omniscient, qui n'est pas omnipotent, etc. C'est pour cela que, justement, la problématique, elle demeure. Merci, tant que vous n'expliquerez Karim. Pas que les enfants d'Israël merci, n'avaient Karim. Pas votre conception des choses. Merci, Karim. À les enfants d'Israël. Merci, Karim. Merci, Karim. Abdallah, 30 merci. Secondes. Moi, je veux 10 secondes. Jean 17, 20. 9. Jean 17, 22. Dans Jean 17, 22... La gloire que Jésus a reçue, il a donnée et il la partage à ses disciples. Ma question, les disciples sont-ils devenus Dieu? Merci. Question pour nos amis et frères chrétiens, s'il vous plaît. Vous vous levez, vous êtes dans le thème, t'es pas dans le thème, tu te rassois. Très bien, ok, monsieur, sur ma droite, t-shirt noir. Ah ouais, c'est toi, je bouge pas. J'avais une question, est-ce que c'est si grave, finalement, que Jésus ne soit que prophète? Excellent, merci. C'est absolument fondamental, c'est salutaire, c'est pour ça qu'on est là. Si d'ailleurs ça n'avait aucun intérêt, bah, tu retrouverais plein de chrétiens dans les mosquées et des musulmans dans les églises. Ça n'a absolument aucun rapport. Chez nous, c'est Dieu qui se fait homme en Jésus-Christ pour venir accomplir la loi pour nous, mais ayant été totalement incapable de l'accomplir, sans péché et être crucifié tel un agneau sans tache. Pour racheter nos péchés. Quoi de plus bel exemple comme amour que se faire homme
pour que de faire sa parole homme pour racheter nos péchés. Il n'existe aucun prophète qui a fait ça sur cette terre, de donner sa vie pour racheter la vie des autres. Et il n'est pas mort, il est vivant. Il est ressuscité 3 jours après et ensuite il a monté dans sa demeure au sein du Père. Donc oui, c'est tout à fait fondamental. Nous, on croit, et c'est parce que c'est la Bible qui le dit, c'est pas nous qui inventons, qu'il s'est fait crucifier. On a vu dans le dernier débat, il me semble que c'est clair, mais bien sûr, il y a eu toujours des réfutations à 2 balles, que Jésus s'est fait crucifier pour la rédemption des péchés. Et à ce moment-là, il détenait tous les péchés du monde sur lui. Il s'était fait péché. Dans l'islam, il ne s'est pas fait péché. Il ne s'est pas fait péché, il ne s'est même pas fait crucifier. C'était un leurre. Voilà, donc lis le Coran et lis-le vraiment, cherche par toi-même et tu verras très bien que tu enlèves la crucifixion de Jésus pour le salut de l'humanité et t'es pas sauvé, point barre. C'est pour ça qu'on est là. 20, 15 secondes, encore il vous reste, 10 secondes. Merci. Juste, monsieur, s'il vous plaît, la question s'adresse à qui? D'accord, alors ça sera demain. Donc pour nos amis musulmans, question pour nos amis musulmans, vous interviendrez après. C'est quoi votre prénom? Ibrahim, juste après, c'est pour nos amis musulmans ou c'est pour les chrétiens? Hein? Musulmans. Yallah de Gad, non, merci. 30 secondes. Moi qui sont très inscrits langue hébraïque et pour le sujet de la divinité qui est aujourd'hui. Plus fort, s'il te plaît. Alors la question c'est la suivante. Le terme Jésus, c'est inventé par les Grecs, on ne l'appelait pas comme ça précédemment. On l'appelait Yeshua. Donnez-moi la traduction littérale de Yeshua. C'est la deuxième question qu'on nous pose, c'est la même. Ça même si c'est en rapport avec Jésus, est-ce que ça a à voir avec finalement la divinité du Christ? Alors allez-y, réponse de 1 minute 30, merci. Okay, ça se trouve en fait, la réponse elle se trouve dans le premier chapitre de Matthieu, où Matthieu en fait explique bien pourquoi on lui a donné ce nom-là. D'accord? L'ange est venu et a donné ce nom-là. Pourquoi? Parce que il est écrit, tu lui donneras le nom de Jésus, mais le terme c'est pas Jésus puisque là c'est en grec, d'accord? Tu donneras le nom de Yeshua, ou Yehoshua, selon la divergence qui existe, car il sauvera son peuple de ses péchés. C'est ça que ça signifie, en fait. C'est parce que ça veut dire Dieu sauve. Mais Dieu sauve, mais comment? Ça ne veut pas dire qu'il est venu lui-même. Comment est-ce qu'on le sait? C'est très simple. Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit peu plus de pas de connaissances, mais j'aurais bien voulu qu'on me cite des versets, par exemple, comme Ésaïe. Ésaïe, chapitre 35, verset 4, par exemple. C'est la même chose. Où en fait, Dieu un dit. Grand merci, je réponds, hein. Karim. La partie maintenant est à Abdallah. Abdallah. De toute façon, puisque la question était orientée pour savoir que dans le nom, on peut reconnaître que Jésus est Dieu, en tout cas, les apôtres n'ont pas compris comme ça. Parce que quand on va dans Matthieu, chapitre 16, verset 14, les disciples ont rapporté tout ce qu'on a dit sur l'identité de Jésus. Tout. Il y en a qui ont dit que c'était Élie, Jérémie, Jean-Baptiste, l'un des prophètes. Mais aucun n'a dit que Jésus est Dieu. Aucun. Ils avaient tous le Saint-Esprit. Et ils connaissaient tous le nom de Jésus. Donc, ils n'ont aucun n'a dit. Je peux encore donner un exemple. Marie de Magdala, dans Matthieu chapitre... Matthieu chapitre 20, versets 12 à 13. Quand elle est partie voir la tombe de Jésus, elle a cru qu'on avait volé Jésus. Ma question, est-ce qu'elle pensait qu'on avait volé Dieu? Répondez-moi. Merci infiniment, Abdallah. Monsieur Ibrahim, merci. Question s'adresse à nos amis chrétiens. Allez-y. Dans cette manifestation, je n'entends rien. Merci. Sur 5, Charlie, vas-y. Ouais. On n'entend pas, je suis désolé, on n'entend pas. Alors, le fait que Jésus est sans péché fera de lui un Dieu. C'est bien ça? Le fait que Jésus serait sans péché fait de lui un Dieu. Oui. Reçu? J'ai pas fini ma question. Mais tout à fait. Je ne fais que l'écho de ta voix qui m'impressionne. Dans Jean, chapitre 7, verset 8 à 10. Jean 7, 17, verset 8 à 10. Vas-y, tu réviseras la Bible par cœur, mais vas-y. Vas-y, c'est quoi la question? Verset 8 à verset 10. Il avait dit qu'il ne montait pas à Jérusalem. Mais ils sont partis, il est quand même allé en secret. Il a dit qu'il n'allait pas, il est allé.
péché ou c'est pas un péché? Qu'il soit allé à Jérusalem. Il a dit qu'il ne partait pas et finalement il est. Mais le fait qu'il ait dit qu'il n'y va pas et qu'il est quand même allé. D'accord. Ah, à mon avis, il n'avait pas de GPS, frère. Merci, c'est bon? Est-ce que vous voulez donner une réponse? Vous n'êtes pas obligé. Non. Ok, merci. Vas-y, donc, que question pour non, nos frères. Attends, il va juste répondre en vitesse. D'accord, ok. C'est, ça n'a pas de sens. Moment, on y va. Si j'ai bien compris la question, c'est en gros, tu dis que Jésus a menti, c'est ça? D'accord. Par contre, c'est que tout simplement, c'était pour se protéger, il avait une mission à accomplir. Question pour nos amis et frères musulmans. Très bien. La question. Attends, non, mais si t'as pas fini, y a pas de souci. Non, non, vas-y, Guillaume. Si t'as pas fini, y a pas de problème. Assieds-toi. Vas-y, vas-y, le gars, y a pas de stress. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas parce que tu fais quelque chose en secret que c'est tu fais pour pécher, pour mentir. Imagine, t'es en temps de guerre, t'es avec ta femme, et puis donc là, t'as les forces de l'ordre qui arrivent pour venir te chercher toi parce que t'es apte à faire la guerre. Et ta femme, elle dit, bah, il est là, sous le lit, toi, t'imagines bien sûr, le mensonge, c'est mal, mais des fois, il y a certaines choses qui sont importantes à faire. On vous demande pas de réagir, d'accord? Il a fait quelque chose en secret, mais c'est pas un péché. C'est pas un péché, il fait pas les choses comme ça par hasard. Quoi. Merci. Alors, la question s'adresse à nos frères et amis musulmans. Donc la galanterie fait que je donnerai la parole à vous, madame. Non, je voulais juste savoir la référence biblique a été citée parce que on peut dire des choses, mais nous faut le texte. Et dites-nous ce qui est écrit dans ce texte. D'accord, très bien. Question en attendant pour nos amis musulmans. Très bien. Allez-y, monsieur. Parle fort. Allez-y, monsieur. Stop. Arrête-toi. S'il vous plaît, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont ici qui viennent pour la première fois. Levez la main, s'il vous plaît. Les gens qui viennent ici pour la première fois. Alors, je pense que vous ne connaissez pas le cadre de notre débat, d'accord? C'est une conférence qui demande de la dignité, qui demande du sérieux. On n'est pas à Nuit Debout, ce n'est pas une manif. On n'est pas à la République ici. Donc, quand quelqu'un, par politesse, pose une question, je vous demande, s'il vous plaît, de l'écouter. C'est très très important. Merci. Alors, Abdallah et Karim, est-ce que l'un de vous peut lire Apocalypse, chapitre 22, du verset 12 à 18, et me dire comment ça se fait qu'il se prône être sage, et c'est Jésus qui parle? Je n'entends pas. Je leur ai demandé de lire chapitre 22 de l'Apocalypse, le verset 12 à 18. Je déclare à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie, ça. Ouais. C'est combien tu m'as dit, chapitre 22? Chapitre 22 de l'Apocalypse. Verset combien? 12 à 18. Verset 12, ah ouais. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux celui qui... En fait, tout le reste de mémoire, il n'y a pas besoin de... Mais je vais dire, 18. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Jésus a pratiqué... S'il te plaît. Non, c'était pour savoir. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte écrit dans ce livre. Merci. Au revoir. Merci. S'il vous plaît. J'ai franchement l'impression, il y en a qui viennent vraiment pour la première fois, là. Vous moquez de moi, là. Et vous n'êtes pas au Stade de France, hein. Donc, moi je ne veux pas d'applaudissements comme ça, sinon moi j'arrête la conférence, ok? C'est pas parce qu'un chrétien vient tout d'un coup de vous lancer un scud que tous les chrétiens vont applaudir.
On n'est pas au Stade de France ici. Que ce soit les musulmans ou les chrétiens, on respecte, s'il vous plaît. D'accord ? Tout à fait. Donc Karim, 1 minute 30, j'aimerais juste merci. Que le Judas qui est parti revienne, en fait. S'il vous plaît. D'accord, parce qu'on ne lance pas une ambiguïté et on se sauve derrière. D'accord ? Donc là, il faudrait que la personne revienne. Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de lui. On va y répondre très facilement. Ceci ne nécessite pas une intervention chirurgicale. Une simple aspirine suffit seulement. Ici, ce n'est pas Jésus qui parle. C'est comme dans Apocalypse chapitre 21, verset 6. C'est Dieu qui parle et qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga. Si tu m'as fait point, je te fais point aussi. » C'est tout. Abdallah, merci. C'est bon ? Merci, très bien. Alors, la question maintenant, elle s'adresse, s'il vous plaît, à nos amis et frères chrétiens. Donc, ça sera d'ailleurs la dernière. Pour les chrétiens, il y en aura une pour les musulmans. Sachez que cette conférence, elle ne se finit pas. Nous pourrons la poursuivre, si vous voulez bien, à l'issue de cette conférence, puisque vous avez de quoi vous substanter et puis vous rafraîchir, il n'y a aucun souci. Donc cette question, elle s'adresse à nos amis musulmans. Monsieur, à droite, là-bas, on vous écoute. Oui, tout à fait. Aux chrétiens. Oui, tout à fait. Accélère. J'avais une question, en fait, parce que depuis le début du débat, il y a des versets qui sont donnés pour dire que Jésus est Dieu. On ne vous entend pas. Il y a des versets qui ont été donnés par la partie chrétienne. Chrétienne. Que Jésus est Dieu, par exemple. Okay. Moi et le Père, nous sommes un. Je suis l'alpha et l'oméga, etc. Et à un moment donné, vous avez dit, oui, mais Jésus, il ne peut pas dire qu'il est Dieu, parce qu'il a dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est une contradiction. Est-ce qu'on peut expliquer ça ? Non, on parle de dire mot pour mot, je suis Dieu. Mais vous, vous avez dit que je suis l'alpha et l'oméga. Bah, il le fait comprendre par divers moyens, mais pour faire en faisant en sorte de se glorifier le moins possible. Surtout que là, il a une question d'un. S'il vous plaît, merci. Là, il n'a pas des gens autour de lui pour le lapider. Vous respectez quand les chrétiens parlent aussi. Quand il dit, je vous le redirai pas. Merci. Vas-y. Donc, quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, le commencement à la fin, le premier et le dernier. Il n'y a aucun prophète qui a dit ça. Et c'est bien Jésus qui parle. Hein. C'est bien Jésus qui parle. Lisez l'Apocalypse, vous verrez bien que les versets qu'on leur a fait lire, c'est Jésus qui parle. Et bien là, c'est en vision. C'est une vision. Donc là, il n'y avait pas quelqu'un pour le lapider à ce moment-là. Et c'est pour ça que là... S'il vous plaît, pas de réaction. D'accord ? Il te donne la réponse, tu tais maintenant. Merci. Et là, c'est pour cette raison-là qu'il peut un peu réellement se révéler parce que la loi, tout était accompli. Il le dit sur la croix. Tout est accompli. Donc, tout est terminé. La question aujourd'hui, c'est est-ce que tu veux ce ticket pour aller au ciel ou est-ce que tu ne le veux pas ? Mais c'est la seule question fondamentale. Est-ce que tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui ? Et alors, tu as l'assurance du salut, c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est pas mérité du tout. Et où est-ce que tu ne le veux pas ? Mais c'est la seule question que tu as à te poser fondamentalement si tu veux connaître Jésus-Christ. Et crois-moi, quand tu acceptes Jésus-Christ, la vie change complètement. Et on va juste rajouter quelque chose, c'est que quand on dit si je me glorifie moi-même, je me glorifie rien, on parle pendant son ministère sur Terre. Ah oui. Ce qui n'a rien à voir avec l'apocalypse, en fait, c'est du hors-sujet total ce que tu as fait là. Ah oui. Vision. Un grand merci. Je tiens vraiment à remercier chaleureusement. Non, c'est fini. À 17h, il est moins 10. Je tiens chaleureusement à remercier Morgane. Je vous le dis, je suis intransigeant, impartial. Mes amis musulmans qui sont ici me connaissent. Morgane a subi beaucoup de pression, beaucoup d'harcèlement et des insultes qui ne sont pas dignes, que ce soit d'un chrétien ou d'un musulman. Donc c'est inacceptable. On n'attaque pas un individu et on n'attaque pas l'identité de la personne. Donc Morgane, je te demande sincèrement pardon en tant qu'organisateur. Alors que j'ai organisé cette conférence, certains t'ont insulté. Ce n'est pas digne, ce n'est pas digne d'un langage subhanakallah, ce n'est pas digne d'un langage d'un croyant. Donc je vous demande respect vis-à-vis de ce frère qui est ici avec Guillaume, comme, je ne rigole pas, Abdallah ou Karim le savent, quand on attaque Karim ou quand on attaque Abdallah, je suis le premier à prendre leur défense. Je ne vais pas me laisser acheter ni par les chrétiens ni par les musulmans. Donc je vous demande s'il vous plaît, dans cette atmosphère délétère dans laquelle nous sommes actuellement, vraiment de faire un tonnerre d'applaudissements pour ces quatre orateurs qui se sont exprimés.